Ekdal, qu'est-ce que vous faites ici? Faut que j'aille au bureau, Petersen. Le bureau est fermé depuis une heure. Et puis, le négociant reçoit du beau monde ce soir. C'est vraiment pas le moment. Vous comprenez, on n'avait pas vu son fils, ici, en ville, depuis au moins 15 ans. Alors? C'est ce qu'on m'a dit à la porte, mais Grabert est encore au bureau. Soyez gentil, Petersen. Laissez-moi passer par là. Je connais le chemin. Bon, allez-y. Mais tâchez de ressortir de l'autre côté et de ne pas vous faire voir. Je sais, oui. Merci, mon vieux. Mon bon vieil ami. Merci. Crétin. Petersen, vous servirez le café dans le salon de musique? Les invités me demandent de jouer quelque chose. Bien, Madame Serby. Et vous savez que Monsieur Verle a interdit que l'on fume dans la maison. Bien, Madame Serby. Je ne crois pas que quelqu'un l'ait remarqué, Gregor. Toi non plus, tu n'as rien remarqué? Nous étions 13 à table. D'ordinaire, nous sommes toujours 12. Tu n'aurais pas dû m'envoyer cette invitation, Gregor. Quoi? C'est pour moi qu'on donne ce dîner, paraît-il, et je n'aurais pas invité mon meilleur, mon seul ami. Mais je ne crois pas que ton père apprécie. D'ailleurs, je ne viens jamais dans cette maison. C'est ce qu'on me dit. Mais il fallait que je te voie, que je te parle. Je vais sûrement repartir bientôt. Nous deux, on s'est bien perdu de vue depuis l'école. On ne s'était pas croisés depuis 16 ou 17 ans. Comme ça? Ah oui, certain. Bon, comment vas-tu? Oh, tu as l'air en forme. On dirait même que tu as un peu forci. Forci n'est pas le mot, mais j'ai sans doute l'air un peu plus viril qu'à l'époque. Ouais. C'est ça. Ton physique n'a pas souffert. Ah, mais à l'intérieur, Gregor, là, crois-moi, c'est autre chose. Tu sais bien comme tout s'est effondré autour de moi depuis qu'on s'est perdu de vue. Et comment va ton père? Ah non, s'il te plaît, non, ne parlons pas de ça. Bon, bien sûr, mon malheureux père vit chez moi, il n'a personne d'autre à qui se raccrocher. Ça m'est trop pénible d'en parler. Bon, raconte-moi plutôt comment ça s'est passé là-haut, à l'usine. J'ai vécu dans une solitude bien agréable. J'en ai profité pour réfléchir à pas mal de choses. Viens par ici. Nous serons mieux. Merci quand même, Gregos, de m'avoir invité à la table de ton père. Je sais maintenant que tu n'as plus rien contre moi. D'où tiens-tu que j'avais quelque chose contre toi? Les premières années, c'était bien le cas. Mais quelles premières années? Juste après la catastrophe. C'était bien normal, hein. Ça n'est fallu de rien que ton père lui-même soit entraîné dans ces histoires terribles. Et c'est pour ça que j'aurais dû avoir quelque chose contre toi. Mais qui t'a mis ça dans la tête? Je le sais, Gregor, c'est ton père lui-même qui me l'a dit. Mon père? Hein? Je vois. Et c'est pour ça que tu ne m'as plus jamais donné signe de vie. Même pas un mot. Oui. Même quand tu es devenu photographe. Mais ton père disait qu'il valait mieux ne pas t'écrire. Oui, il avait peut-être raison. Mais dis-moi, Yalma, tu es plutôt satisfait de ta situation? Oui, oui, plutôt. Je ne peux pas dire le contraire. Au début, c'était un peu étrange pour moi. C'était un changement complet d'existence. Mais tout le reste aussi était complètement changé. La catastrophe, la ruine de mon père, la honte et le déshonneur, Gregers. Bien sûr, oui, bien sûr. Il n'était plus question pour moi de poursuivre mes études, nous n'avions plus un sou. Au contraire que des dettes, et surtout envers ton père, je crois. Alors je pensais qu'il valait mieux, mais comme ça, hein. D'un coup, couper tous les liens avec mes anciennes relations, et c'est ton père en particulier qui me l'a conseillé, et comme il m'a tellement aidé... Mon père? Oui. Tu ne le savais pas. Où aurais-je pris l'argent pour apprendre la photographie, pour aménager un atelier, pour m'y installer? Et tout ça coûte cher, hein, crois-moi. Et c'est mon père qui a tout payé? Je ne le savais pas. J'avais cru comprendre qu'il te l'avait écrit.
Pas un mot sur le fait que c'était lui. Non, il a dû oublier. Nous n'avons jamais échangé que des lettres d'affaires. Alors, c'était mon père. Oui, il n'a jamais voulu que ça se sache, mais c'était bien lui. Et c'est encore grâce à lui que j'ai pu me marier. Peut-être ça non plus, tu ne le sais pas. Mais non, je ne le savais pas. Mais, mon cher Hjalmar, je ne peux pas te dire à quel point tout cela me réjouit et me tourmente. Non, mais j'ai peut-être été injuste envers mon père sur certains points. Ce que tu me dis montre bien qu'il a du cœur. J'ai là comme quelque chose sur la conscience. La conscience. Oui, oui, appelle ça comme tu voudras. Je n'ai pas de mots pour dire à quel point je suis content d'apprendre ces choses-là sur mon père. Alors, tu es marié, Hjalmar. Oh, je n'arriverai jamais jusque-là. J'espère que l'homme marié est heureux. Oui, oui, je le suis. Elle est futée et courageuse, et elle n'est pas sans éducation. Non, j'imagine. Dans la vie, vous éduque, vois-tu, rien que ma fréquentation quotidienne. Et puis nous recevons régulièrement quelques hommes de talent. Je t'assure, tu ne reconnaîtrais pas Gina. Gina? Tu ne te souviens pas que elle s'appelait Gina? Qui s'appelait Gina? Je ne vois pas. Tu ne te souviens pas qu'elle a servi dans cette maison à un moment? Gina Hansen? Oui, bien sûr. Gina Hansen. Qui s'occupait pour nous de la maison la dernière année de la maladie de ma mère? C'est ça, oui. Je suis sûr et certain que ton père t'a écrit que je m'étais marié. Oui, sûrement, mais pas que... Attends un peu. Peut-être bien, en y réfléchissant. Mon père m'écrit toujours si brièvement. Mais dis-moi, Hjalmar, c'est amusant. Comment as-tu fait la connaissance de Gina, de ta femme? Très simplement... Gina n'est pas restée longtemps ici. Il y avait trop de troubles dans la maison à l'époque, la maladie de ta mère. Gina n'a pas tenu, elle a demandé son congé et elle est partie. C'était l'année d'avant la mort de ta mère. Peut-être bien la même année. C'était la même année et j'étais là-haut, à l'usine à l'époque. Et alors, ensuite? Gina est allée habiter chez sa mère, une madame Hansen. Une femme active et très futée, qui tenait un petit restaurant. Et elle avait aussi une chambre à louer, une jolie petite chambre. Et tu as eu la chance de l'obtenir, peut-être? Oui, grâce à ton père. On en avait touché un mot. Et c'est là, vois-tu, c'est là que j'ai vraiment appris à connaître Gina. Et vous vous êtes fiancés? Oui. Quand on est jeune, on tombe vite amoureux. Mais dis-moi, après vos fiançailles, c'est alors que mon père t'a fait... Je veux dire, c'est alors que tu as commencé à te tourner vers la photographie? Oui, je voulais fonder un foyer et m'installer au plus vite. Et nous avons trouvé, ton père et moi, que la photographie, c'était ce qui allait être plus facile. Et Gina était du même avis. Et en plus, Gina, par chance, avait appris à faire de la retouche photographique. Et tout se combinait merveilleusement. N'est-ce pas? Tu ne trouves pas que tout se combinait merveilleusement? Effectivement. Mon père a été une sorte de providence pour toi. En tout cas, il n'a pas abandonné le fils de son vieil ami quand il était dans la détresse. Oh, il a du cœur, vois-tu. À vous demande pardon! La porte était fermée! La porte! Fermée! Vous demande pardon. Vraiment pas une bonne idée de le laisser passer par là ce soir. Bon, allez, dépêchez-vous de raccompagner. Ah, et glissez-lui quelque chose là-bas. Quelque chose de bon? Entendu. Ce n'était pas ton père? Si. Et pourtant, tu as fait comme si tu ne le connaissais pas. Si tu étais à ma place, Vegers, je m'en vais. Hein. Quand un homme a pris un coup du destin sur la tête, salue ton père de ma part. Oui, oui. Tu rentres directement chez toi? Oui. Pourquoi? Je passerai peut-être plus tard. Ah non, non, surtout pas. Ma maison est triste, Vegers. D'autant plus après un festin comme celui-là. Non, nous pourrons toujours nous retrouver quelque part, en ville. Reste ici. Je veux disparaître sans me faire remarquer. Vous partez déjà? Oui. Mes amitiés à Gina. Merci. Dites-lui que je passerai la voir un de ces jours. Entendu. Alors, vous avez donné quelque chose au vieux? Oui, je lui ai glissé une bouteille de rhum. Vous auriez pu trouver mieux. Ah ça non, madame, le rhum, c'est ce qu'il préfère. Bon, allez, retourne au salon de musique. Et baissez un peu les lumières. Vous savez que monsieur Verle ne les supporte pas. Vous venez, Gregor? Un instant. Père? Qu'y a-t-il?
Je voudrais te dire un mot. Ça ne peut pas attendre que nous soyons seuls ? Non, parce qu'il se pourrait que nous ne soyons plus jamais seuls. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment a-t-on pu laisser cette famille tomber dans une misère pareille ? Tu veux parler de la famille Ekdal, je présume. Oui, de la famille Ekdal. Le lieutenant Ekdal était pourtant un de tes proches, autrefois. Bien trop proche, oui, hélas. J'en ai souffert pendant des années. C'est à lui que je dois avoir vu mon nom et ma réputation éclabousser. Était-il réellement le seul coupable ? Qui d'autre, selon toi ? Vous deux, vous étiez associés dans cette vaste opération forestière. Mais c'est Ekdal qui a dressé la carte du terrain. Cette carte erronée. C'est lui qui a mené tout cet abattage illégal sur le domaine de l'État. C'est lui qui a dirigé toute opération. Moi, j'ignorais ce que fabriquait le lieutenant Ekdal. Le lieutenant Ekdal ignorait probablement lui-même ce qu'il fabriquait. Peut-être, mais le fait est qu'il a été condamné et que j'ai été acquitté. Oui, je sais bien qu'il n'y avait pas de preuves. Un acquittement est un acquittement. Pourquoi reviens-tu sur ces vieilles histoires pénibles qui m'ont fait blanchir avant l'âge ? Ce sont elles que tu as ruminées toutes ces années passées là-haut ? Je veux te l'assurer, Gagers. Ici, en ville, ces histoires sont oubliées depuis longtemps, en ce qui me concerne. Et la malheureuse famille Ekdal ? Que voulais-tu que je fasse pour ces gens-là ? Quand Ekdal a été libéré, c'était un homme brisé, définitivement perdu. Il y a des hommes comme ça, qui coulent à pic dès qu'ils prennent quelques plombs dans l'aile et qui ne remontent jamais. Crois-moi, Gregers. Je suis allé aussi loin que j'ai pu pour les aider, sans me compromettre et alimenter toutes sortes de soupçons. Des soupçons, je vois. J'ai trouvé avec Dal du travail de copie, et je le paie bien, bien plus que son travail ne vaut. Et je sais maintenant que tu as aussi largement contribué à installer Hjalmar Ekdal comme photographe. Et après, on va dire que j'ai rien fait pour les Ekdal. Je t'assure que ces gens-là m'ont coûté assez cher. Et ça figure dans tes comptes ? Pourquoi cette question ? Il y a sans doute certaines dépenses qu'il vaut mieux ne pas inscrire. Écoute, dis-moi, quand tu as si chaleureusement pris en charge le fils de ton ancien ami, n'était-ce pas précisément l'époque où il allait se marier ? Comment ? Comment veux-tu, après tant d'années, que je m'en souvienne ? Tu m'as écrit à l'époque une lettre d'affaires, bien entendu, et en post-scriptum, tu avais ajouté brièvement que Hjalmar Ekdal s'était marié, mais sans préciser que c'était avec mademoiselle Gina Hansen, notre ancienne femme de chambre. Je ne savais pas que tu t'intéressais de si près à notre ancienne femme de chambre. Moi, non. Mais d'autres dans cette maison s'intéressaient de près à elle. Que veux-tu dire ? C'est moi que je vise ? C'est bien toi que je vise. Et tu oses ? Tu as l'audace ! Comment peut-il cet ingrat ? Lui, le photographe. Comment ose-t-il insinuer des choses pareilles ? Hjalmar n'a pas dit un mot à ce sujet. Je crois même qu'il ne se doute de rien. Mais alors d'où tiens-tu ça ? Qui a pu te dire une chose pareille ? C'est maman qui me l'a dit. Et c'est la dernière fois que je l'ai vue. Ta mère, j'aurais dû m'en douter. Elle et toi, vous ne faisiez qu'un. C'est elle qui t'a détourné de moi dès le début. Non, c'est tout ce qu'elle a souffert et enduré jusqu'à ce qu'elle succombe et sombre misérablement. Oh, elle n'a rien eu à souffrir ni à endurer. Pas plus qu'une autre, en tout cas. Mais avec les gens malades, les exaltés, il n'y a rien à faire, j'en sais quelque chose. Et maintenant, tu es là, avec tes soupçons, à te complaire dans de vieilles rumeurs et de vieilles calomnies contre ton propre père. Écoute, Gregor, s'il me semble vraiment qu'à ton âge, tu pourrais t'occuper plus utilement. Il serait temps, oui. Et tu aurais l'esprit plus léger qu'il ne l'est aujourd'hui. À quoi ça te mène de rester là-haut, à l'usine, à longueur d'année, à trimer comme un simple employé sans vouloir toucher un sou de plus que ton salaire mensuel ? Je te l'ai dit, jamais je ne serai ton associé. Je te comprends, tu veux être indépendant, tu ne veux rien me devoir. Mais nous n'aurions pas besoin d'être toujours ensemble pour autant. Tu pourrais te charger des affaires ici, en ville, et moi je m'installerai là-haut, à l'usine. Vois-tu, je ne suis plus apte au travail comme j'étais autrefois. Je suis forcé de ménager mes yeux, Gregers. Ma vue commence à faiblir. Bon, elle a toujours été faible. Pas comme aujourd'hui. Et puis, les circonstances pourrait bien rendre souhaitable que j'aille habiter là-haut. En tout cas, pour un moment. Mais avant, j'aimerais bien t'avoir à la maison quelque temps. Je suis un homme seul, Gagers. Je me suis toujours senti seul. Toute ma vie, mais surtout maintenant que je commence à prendre de l'âge, j'ai besoin d'avoir quelqu'un près de moi. Tu as Madame Serby ? Oui, c'est vrai.
Et Bertram est devenue, pour ainsi dire, presque indispensable. Elle est vive, d'humeur égale, elle met de la gaieté dans la maison. Et j'en ai bien besoin. Bon, et donc, tu as ce que tu désires? Oui, mais j'ai peur que ça ne dure pas. Une femme, dans ce genre de situation, devient vite suspecte aux yeux du monde. Et pour un homme, c'est pas facile non plus. Tu trouves, toi, Gregers, avec ton sens aigu de la justice? Parle clairement. Tu as l'intention d'épouser? Et si c'était le cas, alors? Je te le demande. Alors? Y serais-tu absolument opposé? Non, absolument pas. Pas du tout. Bien. Parce que laisse-moi comment savoir si peut-être, par égard pour la mémoire de ta mère... Je ne suis pas un exalté. Bon. Exalté ou pas, tu viens de me soulager d'un grand poids. Je suis ravi d'avoir ton assentiment dans cette affaire. Maintenant, je comprends comment tu voulais te servir de moi. Me servir de toi, quelle expression? C'est donc pour ça qu'il fallait, coûte que coûte, que je me présente en personne, ici, en ville. En l'honneur de Madame Serby, on va s'inventer une vie de famille dans cette maison. Père et fils, joli tableau, c'est nouveau ça. Comment oses-tu me parler sur ce ton? Mais quand y a-t-il eu ici une vie de famille? Jamais, aussi loin que je me souvienne. Mais aujourd'hui, on aurait bien besoin d'un petit quelque chose de ce genre. Ça ferait assurément bien dans le tableau que le fils, sur les ailes de la pitié, se hâte de rentrer à la maison pour les noces de son vieux père. Que restera-t-il alors de toutes les rumeurs au sujet des souffrances endurées par la pauvre défunte? Rien! Son fils les aura fait taire! Gregers, tu ne crois pas qu'il est au monde un homme qui te répugne autant que moi? Mais je t'ai vu de trop près! Tu m'as vu avec les yeux de ta mère. Mais tu devrais te rappeler que ses yeux, parfois, voyaient trouble. Oh, je comprends à quoi tu fais allusion. Mais qui est responsable de la malheureuse faiblesse de ma mère? C'est toi et toutes tes... La dernière en date était cette fille qu'on a accouplée avec Yann-Marie Dahl quand il n'a plus été possible de... Mot pour mot, je crois entendre ta mère. Et lui, il est là, avec sa grande âme d'enfant crédule, en pleine imposture. Il vit sous le même toit que cette créature, et il ignore que ce qu'il appelle son foyer est fondé sur un mensonge. Quand je revois toute ta conduite, c'est comme si je contemplais un champ de bataille jonché de destins brisés. Il faut croire que le fossé entre nous est trop profond. Et c'est pourquoi je m'en vais. Tu t'en vas? Oui. Tu quittes la maison? Maintenant, je sais enfin quelle mission j'ai dans la vie. Quelle mission? Mais tu éclaterais de rire à l'entendre. Un homme seul ne rit pas si facilement, Gregers. Écoute, père. Ces messieurs jouent à Colin Maillard avec Madame Serby. Bonne nuit et adieu. Et le pauvre. Et il dit qu'il n'est pas exalté. Hedwig? Hedwig? Oui, maman? Hedwig, chérie, arrête de lire maintenant. Oh, maman, je peux pas lire encore un peu, juste un peu. Non, non, allez, pose ce livre. Ton père n'aime pas ça, lui-même ne lit jamais le soir. Oui, mais papa n'aime pas trop lire, lui. Tu te rappelles combien nous avons payé pour le beurre aujourd'hui? Il y en avait pour une couronne 65. C'est ça. C'est fou ce qu'on consomme comme beurre dans cette maison. Bon, et puis il y avait aussi du fromage... Du saucisson, voyons. Aussi du jambon. Ouais, là, ça nous fait déjà... Et puis, il y a la bière. Oui, bien sûr. On finit par chiffrer, mais bon. Mais on a pu se passer, toi et moi, d'un plat chaud au dîner, puisque papa était sorti. Ouais, et tant mieux. Bon, et puis j'ai aussi reçu 8 couronnes 50 pour les photos. Non, tant que ça. 8 couronnes 50, exactement. Ça
ça fait drôle, non, de penser que papa est à un grand dîner chez le négociant Verle. Ne dis pas que c'est chez monsieur Verle qu'il est. C'est le fils, non, qui l'a invité. Nous, on n'a rien à faire avec ce monsieur Verle. J'ai hâte que papa soit rentré, parce qu'il a promis de demander à madame Serby quelque chose de bon pour moi. Ce ne sont pas les bonnes choses qui manquent dans cette maison-là, tu penses bien? J'ai un tout petit peu faim, d'ailleurs. Grand-père rentre tard aujourd'hui. Mais j'allais fermer le bureau. Je suis resté bloqué chez Grimberg, et puis j'ai dû passer par... Ils t'ont donné de nouvelles choses à copier, grand-père? Tous, paquet, regarde un peu. Tant mieux. Et dans ta poche, il y a encore un paquet. Hein? Oh, des bêtises, c'est rien. J'ai du travail pour un bout de temps, Gina. Ils dorment tous. Et lui, il s'est couché dans le panier. T'es sûr qu'il a pas froid dans ce panier, grand-père? Penses-tu? Froid dans toute cette paille? Il y a bien des allumettes quelque part. Les allumettes sont sur la commode. C'est vraiment bien pour grand-père tout ce travail de copie. Ouais, le pauvre. Ça lui fait un peu d'argent de poche. Et puis, il ne restera pas toute la matinée dans le café de cette affreuse madame Erickson. Oui, en plus. Tu crois qu'ils sont encore à table? Dieu sait, peut-être bien. Imagine tous les bons plats que papa peut manger. Je suis sûre qu'il sera de bonne humeur quand il rentrera. Tu crois pas, maman? Si, mais imagine si on pouvait lui annoncer que nous avons enfin loué la chambre. On s'en passera pour ce soir. Ça aurait été bien, tu sais, cette chambre est là qui sert à rien. Je veux dire qu'on s'en passera parce que ce soir, papa sera de toute façon de bonne humeur. Il vaut mieux avoir la chambre en réserve pour une autre fois. Tu es contente, hein, d'avoir une bonne nouvelle à lui annoncer quand il rentre le soir? Oui, parce qu'alors tout devient plus gai ici. Oui, tu dis vrai. Grand-père veut quelque chose dans la cuisine? C'est ça, oui, bouge pas. Il ne va pas jouer avec le feu, hein. Hedwig va voir ce qu'il fait. T'es allé chercher de l'eau chaude, grand-père? Non. Si. C'est pour l'encre, faut que j'écrive. Elle est venue toute sèche. Mais grand-père devrait souper d'abord, son repas est servi. Non, pas la peine de dîner, Gina, trop de travail, je te dis. Je ne veux pas qu'on entre dans ma chambre, personne. Tu comprends, toi, comment il a pu s'acheter cette bouteille? Il a sans doute reçu un peu d'argent de Graberg. Sûrement pas. Graberg m'envoie toujours l'argent à moi. Alors il a obtenu une bouteille à crédit quelque part. Le pauvre. Personne ne lui fait crédit. Déjà là, papa! Ça alors, Yelma, tu es déjà de retour? Oui, la plupart des invités s'en allaient. Si tôt? Oui, c'était juste un dîner. Laisse-moi t'aider. Il y avait beaucoup de monde? Non, pas beaucoup. Nous étions entre 12 et 14 à table. Et tu as pu parler avec tout le monde? Un peu, oui. C'est surtout Gregor ce qui m'a accaparé. Il est toujours aussi laid. Ben, il n'est pas bien beau, c'est vrai. Le vieux n'est pas rentré? Si. Grand-père est chez lui, il écrit. Et il a dit quelque chose? Non, qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Il n'a pas parlé de... J'ai cru comprendre qu'il était passé chez Graberg. Je vais aller le voir un instant. Non, non, vaut mieux pas. Et pourquoi? A-t-il dit qu'il ne voulait pas me voir? Il ne veut voir personne ce soir. Ah ouais, ouais, il est en train de... De se faire des drogues, ouais. Mon Dieu, pauvre vieux père aux cheveux blancs, hein, qu'il se fasse du bien. Un retour! Il m'a bien semblé entendre ta voix. Je viens de rentrer. Tu ne m'as pas vu, hein? Non, mais on m'a dit que tu étais passé par... Et j'ai voulu te suivre. C'est gentil à toi, Yelma.
C'était qui, tous ces gens? Il y en avait de toutes sortes. Il y avait le président Mal, le président Fleur, le président Casperson, le président un tel, je ne sais plus. Tu entends ça, Gina? Il n'a côtoyé que des présidents. Oui, c'est sûrement très chic maintenant dans cette maison. Et ils ont chanté, papa, pour réciter quelque chose? Non. Ils n'ont fait que dire des inepties. Et puis, ils ont voulu que moi, je déclame quelque chose, mais ils n'ont pas réussi. On aurait bien pu le faire. Ah non, on n'est pas à disposition comme ça. Hein. Enfin, moi, en tout cas, je m'y refuse. Oui, Hjalmar ne se laisse pas faire, lui. Ouais. Et je ne vois pas pourquoi ce serait précisément à moi de divertir les gens, alors que pour une fois, je suis de sortie, non? Que les autres s'en chargent. Ces types-là, ils vont de dîner en dîner, ils s'empivrent, ils boivent à longueur de journée, qui se rendent un tant soit peu utiles pour toute cette bonne chère qu'on leur donne. Mais tu n'as tout de même pas dit ça. Et pas seulement ça. Tout pas gênant qu'il soit. Ça fait drôle de te voir en costume, papa. T'as une sacrée allure. Ah ouais, hein? Et celui-ci me va à merveille. C'est comme s'il avait été fait pour moi. Bon, il est un petit peu étroit aux entournures, peut-être, mais... Je préfère mettre ma veste. Où est ma veste, Gina? Là-bas. N'oublie pas de rendre le costume à Molvik dès demain matin. T'inquiète pas. Ah, on se sent tout de même plus à l'aise. Et un vêtement ample et large comme celui-ci convient mieux à ma silhouette. Tu ne trouves pas, Vivi? Si, papa. Papa? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais bien ce qu'il y a. Mais non, je ne sais pas, non. Mais si, papa, tu vas pas me torturer plus longtemps. Mais enfin, mais qu'est-ce qu'il y a? Allez, donne, papa! Tu sais bien toutes les bonnes choses que tu m'as promises. Oh non! Dire que j'ai oublié. Non, tu te moques de moi. Oh, me fais pas ça, où sont-elles? Ah, mais tu sais, j'ai vraiment oublié! Bon, attends, j'ai autre chose pour toi, Eddie. Oh, maman! Maman! Tu vois, il suffit d'un peu de patience. Ça, mais... c'est juste un bout de papier. Non, c'est le menu! Tu vois, c'est écrit, ça, c'est menu. Autrement dit, la liste des plats. Tu n'as rien d'autre? Mais j'ai oublié le reste, je te dis. Mais tu peux me croire, ça n'en vaut pas la peine, toutes ces friandises. Allez, assieds-toi à la table, lis ce menu, et moi, je te décrirai quel goût ont les plats. Allez, Gina. Merci. Aussi, c'est incroyable, toutes ces choses auxquelles doit penser un père de famille. Au moins, m'oblige, aussitôt, on fait la tête. Enfin, faut s'y faire, comme à tout. Tu veux jeter un coup d'œil à l'intérieur ce soir, papa? Bah oui, tu penses bien. Il est allé dans le panier! Non, il est allé dans le panier, comment ça s'y fait alors? Eh oui, je l'avais prédit. Mais maintenant, vois-tu, il y a encore deux, trois petites choses à améliorer, oui. Oui, il faut les faire, tu sais. Oui, mais parlons-en de ces améliorations, papa. D'accord. Je crois que je vais d'abord bourrer ma pipe. Faut sûrement que je la cure aussi. Curer sa pipe, tu parles. Oui, bon, Gina, laissons-le, pauvre vieux naufragé. Mais pour ce qui est des améliorations, il faudra vraiment s'y mettre demain. Demain, tu n'auras sûrement pas le temps, Hjalmar. Mais si, maman! Rappelle-toi les photos à retoucher, on nous les a déjà réclamées plusieurs fois. Allons bon, quand c'est retouche, mais elles seront sûrement prêtes. Il y a eu d'autres commandes? Non, malheureusement, demain je n'ai que les deux fiancés, comme tu sais. Rien d'autre? Ah, c'est sûr, quand on ne se remue pas. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'arrête pas de mettre des annonces. Mais les annonces, mais tu vois à quoi ça sert? Et la chambre, personne n'est venu la voir non plus. Ben non, pas encore. Ça, c'est pas étonnant, hein. Quand on ne s'en donne pas la peine, faut se ressaisir, Gina. Papa, veux-tu que je t'apporte le piano? Ah non, pas de piano. Je n'ai pas besoin de joie dans l'existence. Demain, c'est sûr, je travaillerai. Je n'y couperai pas. Je travaillerai jusqu'au bout de mes forces. Mais Hjalmar, chérie, c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Papa, veux-tu que je t'apporte une bouteille de bière? Non, sûrement pas. J'ai besoin de rien. C'est de la bière, tu m'as dit? Hein? C'est de la bière? Oui, papa. Une bonne bière bien fraîche. Bon, si tu y tiens, apporte une bouteille. Oui, va, ça nous fera du bien. Oh, mon papa chéri. Non. Ne m'appelle pas ainsi, moi qui me suis assis à la table de l'homme riche, qui me suis régalé, qui me suis délecté de tous ces mets en abondance, mais dire que je n'ai plus... Arrête avec ça, Hjalmar. Mais si! Mais il ne faut pas m'en vouloir. Vous savez bien que je vous aime, quand même. Et nous, on t'aime tellement, papa. Mais
S'il m'arrive de m'emporter, parfois, mon Dieu, rappelez-vous que je suis un homme accablé de soucis. Bon, pas de bière dans un moment pareil. Donne-moi le piano. Voilà. Le piano, et vous deux, à mes côtés. C'est précaire ici et qu'on vit à l'étroit sous notre toit, Gina, c'est tout de même notre foyer. Et moi je dis, on est bien ici. Pardon ? Gregers ? Tu es venu quand même ? Mais entre. Je t'avais dit que je viendrais. Mais ce soir, tu as quitté la soirée ? La soirée ? Et la maison de mon père. Bonsoir, Madame Ekdal. Je ne sais pas si vous me reconnaissez. Bien sûr. Le jeune monsieur Verlaine n'est pas bien difficile à reconnaître. Non, je ressemble à ma mère. Et vous vous souvenez sûrement d'elle. Tu as quitté la maison de ton père, dis-tu ? Oui, je me suis installé à l'hôtel. Ah bon ? Bon ben, puisque tu es là, débarrasse-toi et assieds-toi. Merci. Ici, sur le canapé, mets-toi à l'aise. C'est donc ici que tu loges, Hjalmar. C'est ici que tu vis. Ici, c'est l'atelier, hein, comme tu vois. Mais c'est la pièce la plus grande, alors on vit plutôt ici. Nous étions mieux logés avant, mais cet appartement a un grand avantage. Il y a ici de superbes débarras. Et puis, nous avons une chambre de l'autre côté du palier que nous pouvons louer. Ah, tiens, tu as des locataires aussi. Pas encore, ça prend du temps, tu sais, il faut se remuer. Et cette bière, alors ? C'est donc ta fille ? Oui, c'est Hedwig. Et elle est enfant unique ? Enfant unique, oui. Elle est notre plus grande joie au monde. Et... elle est aussi notre plus profond chagrin, Vergers. Mais qu'est-ce que tu dis là ? Oui, et il y a grand danger qu'elle perde la vue. Qu'elle devienne aveugle ? Oui. On en est qu'au signe avant-coureur et tout peut aller bien encore quelque temps, mais le médecin nous a prévenu, c'est inexorable. Oh, mais c'est terrible ! Mais comment a-t-elle attrapé ça ? Héréditaire, probablement. Héréditaire ? La maman de Hjalmar aussi avait la vue faible. Oui, c'est ce que mon père dit, moi je n'ai aucun souvenir d'elle. La pauvre. Et... comment prend-elle ça ? Tu penses bien que nous n'avons pas le cœur de le lui dire. Elle ne se doute de rien. Joyeuse et insouciante et gazouillant comme un petit oiseau, elle s'enfonce à tire-d'aile dans l'éternelle nuit de la vie. Pour moi, c'est une torture, Gregers. Merci. Merci, Edith. Non, non, pas de pain beurré. Mais peut-être que Gregers s'en voudrait. Non, non, merci. Bon, alors tu peux en apporter tout de même. Et prends tout le pain que tu trouves. Et sois généreux sur le beurre. Sinon, elle a l'air en bonne santé, il me semble. Oui, elle va bien, sinon. Dieu merci. Avec le temps, elle finira sûrement par ressembler, Madame Ekdal. Quel âge a-t-elle ? Hedwig va avoir 14 ans, c'est son anniversaire après-demain. Elle est plutôt grande pour son âge. Oui, elle a drôlement poussé cette année. C'est en les voyant grandir qu'on perçoit le mieux son propre vieillissement. Il y a combien de temps maintenant que vous êtes mariés ? Nous sommes mariés depuis... eh oui, bientôt 15 ans. Mon Dieu, si longtemps ! Oui, c'est bien ça. C'est ça, ouais. 15 ans, à quelques mois près. Elles ont dû te sembler longues, ces années passées là-haut à l'usine, Gregers.
Elles m'ont paru longues tant que je les vivais. Maintenant, après coup, je ne sais plus trop. Eh bien, Elmar, maintenant, nous pouvons nous asseoir et parler de... Qu'est-ce que c'était au juste? Papa, il y a là quelqu'un. Gregor Werle, je ne sais pas si tu te souviens de lui. Werle? C'est le fils, ça? Qu'est-ce qu'il me veut? Rien, c'est moi qui l'ai venu voir. Ah bon? Rien à voir, alors? Non, bien sûr que non. C'est pas ça, quoi tu, j'ai pas peur. Je voulais juste vous donner des nouvelles des anciens terrains de chasse, lieutenant Heckdal. Les terrains de chasse? Oui, là-haut, aux alentours de l'usine de Heckdal. Ah, oui, là-haut. Je les connaissais bien, autrefois. À l'époque, vous étiez un sacré chasseur. Je l'étais, oui, ça se peut. Pour garder l'uniforme. Je ne demande à personne la permission de le porter ici. Tant que je ne sors pas dans la rue avec... Assieds-toi, papa, prends un verre de bière. Je t'en prie, Gregors. Vous souvenez-vous, lieutenant Heckdal, quand Hjalmar et moi, nous allions là-haut vous rendre visite, en été et à Noël? Vraiment? Non. Non, non, je ne vois pas. Mais j'ose le dire, j'ai été un féroce chasseur, moi. Des ours, j'en ai tué aussi. J'en ai tué 9 en tout. Et maintenant, vous ne chassez plus? Faut pas dire ça, mon vieux. Je chasse encore, de temps en temps. Pas de la même façon, c'est sûr, parce que la forêt, voyez-vous, la forêt... La forêt se porte bien, là-haut? Elle n'est pas aussi splendide que de votre temps. On a beaucoup abattu. Abattu? C'est dangereux, ça. Ça vous poursuit. Elle se venge, la forêt. Tiens, papa, encore un peu. Lieutenant Heckdal, comment un homme comme vous, un homme fait pour l'air libre, peut-il vivre au milieu d'une ville étouffante, ici, entre quatre murs? Oh, faut pas dire ça, mon vieux. On est pas mal ici. On est pas mal du tout. Mais tout ce avec quoi votre âme a grandi, cet air frais et vivifiant, cette vie libre en forêt et sur les hauteurs, parmi les bêtes et les oiseaux. Quelle marre. On lui montre? Non, papa, pas ce soir. Mais que veut-il me montrer? Non, mais c'est une espèce de... Mais ça, tu verras une autre fois. Oui, voilà ce que j'avais en tête. Lieutenant Heckdal, vous devriez venir avec moi là, à l'usine. Je vais sûrement y retourner bientôt. Mais il y a certainement de la copie à faire aussi là-haut. Et ici, vous n'avez rien qui puisse vous convenir et vous réconforter. Moi, j'ai rien qui... Bien sûr, vous avez Hjalmar, mais il a son foyer. Et un homme comme vous, qui s'est toujours senti attiré par tout ce qui est libre et sauvage. Hjalmar, il faut qu'il le voie. Papa, à quoi bon il fait noir? Bêtise, il y a le clair de lune, il faut qu'il le voie, je te dis. Non. Laisse-moi passer. Viens m'aider, Hjalmar. Oui, fais-le, papa. Allez. Bon, d'accord. Mais qu'est-ce que c'est? Ne vous attendez pas à quelque chose d'époustouflant. Pour venir jusqu'ici, vous savez. Mais qu'est-ce que c'est, au juste? Vous n'avez qu'à regarder. Tout ça, ça appartient à mon père. Tu comprends? Vous élevez des poules? Lieutenant Heckdal. Ah bah, et comment que nous élevons des poules? Elles sont perchées pour le moment, mais faut les voir, ces poules, à la lumière du jour. Et puis, il y a... Chut, tu ne le prends encore. Ah, mais vous avez aussi des pigeons, je vois. Ah, ouais, ça se pourrait bien que nous ayons des pigeons. Ils ont leur cache là-haut, sous le rebord du toit. Parce que les pigeons préfèrent crécher là-haut, vous savez. Ce ne sont pas tous de vulgaires pigeons. Oh, vulgaires, non, je crois bien. Nous avons des culbutants. Et puis nous avons aussi un couple de pigeons grosses gorges. Mais venez donc ici. Vous voyez cette huche là-bas, contre le mur? Oui, elle vous sert à quoi? C'est là que dorment les lapins, mon vieux. Ah, parce que vous avez aussi des lapins. Oh, merde alors, vous pensez bien que nous avons des lapins? Il demande si nous avons des lapins, Hjalmar. Mais maintenant vient l'essentiel. Voyez-vous, c'est maintenant. Yannick. Mettez-vous là. Oui, là. Regardez, là-bas. Vous voyez pas un panier avec de la paille dedans? Oui,
Et je vois qu'il y a un oiseau dans le panier. Oh, un oiseau. N'est-ce pas un canard ? Évidemment que c'est un canard. Mais quelle sorte de canard, à ton avis ? Ce n'est pas un vulgaire canard. Chut ! Et pas un canard de barbarie non plus. Non, monsieur Verle, ce n'est pas un canard de barbarie, parce que c'est un canard sauvage. Non, vraiment ? Un canard sauvage ? Et oui, l'oiseau, comme vous avez dit, c'est le canard sauvage. C'est notre canard sauvage, mon vieux. Mon canard sauvage, parce qu'il est à moi. Et il peut vivre ici, dans ce grenier, et s'y plaire. Vous pensez bien qu'il a un baquet rempli d'eau pour y barboter. De l'eau fraîche, tous les deux jours. Hjalmar, chérie, il commence à faire un froid glacial ici. Ah bon, ben, répond. Pas la peine de les déranger dans leur sommeil non plus. Une autre fois, vous le verrez mieux. Nous, Hedwig. Oh, ce sont des bêtes remarquables, ces canards sauvages, vous savez. Mais comment l'avez-vous capturé, lieutenant Ekdal ? C'est pas moi qui l'ai capturé. C'est un certain monsieur, ici, en ville, que nous le devons. Ce monsieur ne serait pas mon père, par hasard ? Si, parfaitement. Votre père, précisément. C'est drôle que tu aies deviné ça, vrai garçon. Tu m'as bien dit qu'à l'égard de mon père, tu étais redevable de tant et tant de choses, alors j'ai pensé mais que... Mais nous n'avons pas reçu ce canard de M. Verla lui-même. Alors c'est tout de même à lui que nous le devons, Gina. Il était en barque, voyez-vous, et il a tiré le canard. Mais il voit si mal votre père. Il n'a fait que l'estropier. Ah bon, il a pris quelques plombs dans le corps. Oui, il a pris 2-3 plombs. Il a pris ça sous l'aile, et alors il ne pouvait plus voler. Alors il a dû plonger à pic. Ah ben c'est connu, toujours, les canards sauvages. Ils piquent vers le fond, aussi profond qu'ils peuvent, mon vieux. Et ils s'accrochent avec le bec aux algues, aux varechs, des saloperies qui s'y trouvent. Et puis ils ne remontent jamais. Mais le vôtre, lieutenant Ekdal, est remonté, lui. Ah, mais c'est que... Il avait un fameux chien, votre père. Et ce chien-là... Il a plongé à poil canard et il l'a emmené. Et puis vous l'avez pris ici ? Non, pas tout de suite. D'abord, il est allé chez ton père, mais il ne s'y plaisait pas. Et un jour, Peterson a reçu l'ordre d'en finir avec lui. Ah oui, Peterson ! C'est comme ça que nous l'avons eu, vois-tu, parce que mon père connaît un peu Peterson. Sacré tain ! Et quand il a appris cette histoire de canard sauvage, il s'est arrangé pour qu'on le lui donne. Et là, dans le grenier, il s'adapte ? Ah oui, pas croyable. Il est devenu gras. Et il est là-dedans depuis si longtemps qu'il a oublié la vraie vie sauvage. Et c'est pour ça que tout va bien. Tu as sûrement raison, Hjalmar. Pourvu qu'il ne revoie jamais le ciel et la mer. Mais je ne vais pas rester plus longtemps. Ton père s'est endormi, je crois. Vous souhaitez ça Mais j'y pense. Tu parlais d'une chambre à louer, une chambre libre. Oui, oui, oui. Et alors, tu connais peut-être quelqu'un ? Est-ce que je peux, moi, avoir cette chambre ? Toi ? Mais, monsieur Verloche... Puis-je avoir la chambre ? Dans ce cas, je ménage, dès demain matin. Oui, avec le plus grand plaisir. Mais, monsieur Verloche, ce n'est pas du tout une chambre pour vous. Gina, comment peux-tu dire ça ? Eh bien, parce que cette chambre n'est ni assez grande, ni assez claire. Mais ça n'a pas d'importance, madame Ekdal. Non, moi, je trouve cette chambre plutôt jolie, et pas si mal meublée non plus. Mais rappelle-toi, les deux qui habitent en dessous. Mais qui sont ces deux-là ? Il y en a un qui a été précepteur. Un certain Molvik, licencié en théologie. Et puis, il y a un médecin qui s'appelle Relling. Relling ? Je connais un peu, il a exercé un temps là-haut à Eudal. Ils sont vraiment turbulents ces deux-là, ils sortent souvent le soir et puis ils rentrent tard dans la nuit et là ils ne sont pas toujours très... On s'adapte à ce genre de choses. J'espère qu'il en ira de moi comme du canard sauvage. Vous devriez vous laisser la nuit pour décider. Mais vous ne semblez pas vraiment vouloir de moi dans cette maison, madame Ekdal. Mais si, qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Mais oui, c'est étrange de ta part, Gina. Et dis-moi, tu penses rester en ville, finalement ? Oui, maintenant, je pense rester ici. Mais pas chez ton père. Qu'as-tu donc l'intention de faire ? Si seulement je le savais, je n'en serais pas là. Mais quand on porte la croix de s'appeler Gregers, Gregers Verle de surcroît, as-tu jamais rien entendu de plus laid, dit ? Non, je ne trouve pas du tout. Moi, j'aurais envie de cracher à la figure d'un type avec un nom pareil. Mais quand on s'appelle Gregers Verle... On porte sa croix dans l'existence, comme je le fais. Mais si tu n'étais pas Gregers Verle, que voudrais-tu être ? Si j'avais le choix, je crois que
Je voudrais avant tout être un bon chien. Un chien? Oh non! Oui, un vrai chien intrépide. Un de ceux qui vont au fond chercher les canards sauvages lorsqu'ils plongent dans la vase et s'agrippent de leur bec aux algues et aux varechs. Non. Vois-tu, Grégas, là, je ne comprends pas un mot. Oh non, ça ne veut sûrement rien dire. Alors donc, demain matin, tôt, j'emménage. Vous n'aurez pas à vous soucier de moi. Je suis autonome. Nous parlerons du reste demain. Bonne nuit, Madame Ekdal. Bonne nuit. Bonne nuit, Monsieur Verle. Bonne nuit. Attends, je vais t'éclairer. Il fait sûrement noir dans l'escalier. Étrange, non? De vouloir être un chien. Je vais te dire, maman. Je crois qu'il voulait dire autre chose. Quoi? Je sais pas. Mais c'était comme s'il voulait dire autre chose que ce qu'il disait, tout le temps. Ouais, c'était étrange. C'est encore allumé. Ah. Enfin, on va pouvoir manger un morceau. Ben, tu vois, Gina, quand on s'en donne la peine... Comment ça? Ben oui, c'est tout de même une chance de pouvoir enfin louer cette chambre. Et de plus, à quelqu'un comme Gregers, un bon vieil ami. Oui, je sais pas trop quoi en dire, moi. Oh, maman, tu vas voir, ce sera amusant. Mais tu es étrange, hein, tout de même. Avant, tu étais si impatiente de louer, maintenant, ça ne te plaît pas. Mais si, Elmar, seulement, ça aurait été à quelqu'un d'autre. Mais que crois-tu que va dire le négociant? Le vieux Verleux? Ça ne le regarde pas. Enfin, tu peux bien comprendre qu'il s'est encore passé quelque chose entre eux, puisque le fils s'en va de la maison. Tu sais bien comment sont leurs relations à ces deux-là. Oui, c'est possible, mais... Et maintenant, peut-être, le vieux Verleux va croire que c'est toi qui es derrière tout ça. Eh bien, qu'il le croit. Monsieur Verleux a beaucoup fait pour moi, Dieu sait si je le reconnais, mais c'est pas une raison pour rester indéfiniment sous sa dépendance. Mais Hjalmar, chérie, ça peut finir par retomber sur grand-père. Peut-être qu'il va perdre le peu qu'il gagne chez Kraber. J'allais dire, tant mieux. N'est-ce pas humiliant pour un homme comme moi d'avoir de voir son vieux père grisonnant travailler comme un gueux, hein? Mais ses temps seront bientôt révolus. Si j'ai bien une mission dans la vie, je l'accomplirai. Oh oui, papa, fais-le. Chut, ne les réveille pas. Je l'accomplirai, c'est dit. Un jour viendra où... C'est pourquoi c'est bien que nous ayons loué la chambre. Parce qu'ainsi, je gagne en indépendance, et c'est ce qu'il faut quand on a une mission dans la vie. Pauvre vieux père aux cheveux blancs. Tu peux compter sur ton Hjalmar, les épaules larges, lui. Il a les épaules solides, en tout cas. Un beau jour, tu te réveilleras et... Tu ne le crois pas, peut-être? Bien sûr que si. Mais tâchons d'abord de le mettre au lit. Ouais, allons-y. Tu as laissé échapper certains propos hier soir. Et comme tu t'es maintenant installé chez les Ekdal, je suis bien forcé de présumer que tu as quelque intention contre moi. J'ai l'intention d'ouvrir les yeux de Hjalmar Ekdal. Il doit voir sa situation telle qu'elle est. C'est tout. Est-ce la mission vitale dont tu parlais hier? Oui. Tu ne m'en as pas laissé d'autres. Est-ce donc moi qui t'ai perturbé l'esprit, Gregers? Tu as perturbé toute ma vie. Je ne pense pas à cette histoire avec ma mère, mais c'est à toi que je dois d'être pourchassé et tourmenté par une conscience pétrie de remords. C'est la conscience qui ne va pas fort. J'aurais dû me dresser contre toi quand on a tendu des pièges au lieutenant Ekdal. J'aurais dû le mettre en garde parce que je me doutais bien où tout cela conduirait. Dans ce cas, tu aurais vraiment dû parler. Je n'ai pas osé, tellement j'étais lâche et terrorisé. J'avais une peur indicible de toi à cette époque et même longtemps après. Cette peur t'est passée, me semble-t-il. Heureusement. Les torts causés au vieil Ekdal, aussi bien par moi que par d'autres, on ne pourra jamais les réparer. Mais Hjalmar, je peux le libérer de tout ce mensonge et de ce silence dans lesquels il est en train de sombrer. Crois-tu faire une bonne action de cette façon? J'en suis convaincu. Tu crois peut-être que le photographe Ekdal est homme à te remercier pour ce service amical? Oui, il l'est. Nous verrons. Et puis... Si je dois continuer à vivre, il me faut trouver un remède à ma conscience malade. Elle ne guérira jamais. Ta conscience est malade depuis l'enfance. C'est un héritage de ta mère, Gregers.
Le seul héritage qu'elle t'ait laissé. Tu n'as toujours pas digéré l'erreur de calcul que tu as faite en croyant épouser sa fortune. Ah, n'abordons pas ces choses qui n'ont rien à voir avec le sujet. Tu persistes donc dans ton intention d'amener le photographe Ekdal sur une voie que tu estimes être la bonne. Oui, je persiste dans mon intention. Bon. Inutile, je suppose, de demander si tu veux revenir habiter sous mon toit. Inutile, oui. Et tu n'entreras pas non plus dans la firme. Non. Bien. Mais comme je vais me remarier, il va falloir partager les biens entre nous. Non, je ne le souhaite pas. Tu ne le souhaites pas? Non. Ma conscience m'en empêche. Retourneras-tu à l'usine? Non. Je me considère comme n'étant plus à ton service. Mais qu'est-ce que tu vas faire alors? Remplir ma mission vitale. Rien d'autre. Bon, mais après, de quoi vivras-tu? J'ai mis un peu d'argent de côté. Bon, pour le temps que ça va durer. Assez pour le temps qu'il me reste. Que veux-tu dire? Je ne réponds plus. Alors, adieu, Gregers. Déjà de retour, Gina? Oui, il faut bien se dépêcher. Et tu es passée chez Vegas? Ça oui, j'y suis passée. C'est joli comme tout là-dedans. Il en a fait de belles à peine arrivée. Comment ça? Ouais, autonome, tu parles. Il devait donc aussi charger le poêle et il a fermé le tirage. Du coup, la fumée a envahi toute la chambre. Une de ses puanteurs. Mince. Mais la meilleure, c'est qu'après, il a voulu éteindre et il a versé de l'eau dans le poêle. C'est-à-dire que le plancher est complètement dégueulassé. Ça, c'est bien embêtant. J'ai demandé à la gardienne de nettoyer ses cochonneries, mais... il pourra pas y remettre les pieds avant cet après-midi. Et où est-il allé en attendant? Faire un petit tour, il a dit. Et moi aussi, je suis passé le voir un instant après ton départ. Je sais. Tu l'as invité à venir prendre le petit déjeuner. Mais c'est juste un petit déjeuner, tu comprends? C'est le premier jour. On peut pas y échapper. Tu as bien quelque chose en réserve. Je vais tâcher de trouver un petit quelque chose. Et fais en sorte que ce ne soit pas trop frugal. Relling et Molvig vont nous rejoindre, je pense. J'ai croisé Relling dans l'escalier. Il y aura ces deux-là aussi? Mon Dieu, deux de plus ou de moins, ou la différence? Écoute, Hjalmar! Ah, bon. Vous voulez quelque chose, grand-père? Non, ça n'a pas d'importance. Fais bien attention à lui, hein, qu'il ne sorte pas. Oui, je vais faire attention. Écoute, Gina, tu sais, une petite salade de hareng, ce serait très bien. D'autant que Relling et Molvik ont dû faire la bringue cette nuit. Du moment que je ne les ai pas sur le dos trop tôt. Non, sûrement pas. Prends ton temps. Mais oui. Et toi, tu peux travailler un peu en attendant. Mais je suis au travail. Je travaille tant que je peux. Comme ça, après, tu seras débarrassé. T'es occupé, Eddie? Oui, je suis là à m'exténuer sur ces images. Ah, bien, bien. Oh, Dieu me garde, si tu es occupé. Et toi, tu es occupé, papa? C'est quoi, tu es occupé? Moi aussi, je suis occupé. Bien. Hjalmar, je ne suis pas si occupé. Je croyais que tu étais en train d'écrire. Par le diable, Graberg peut bien attendre un jour ou deux. Non, c'est pas une question de vie ou de mort, que je sache. Non, et tu n'es pas un esclave non plus. Et puis, il y a cette autre chose là-dedans. Ah oui, c'est juste. Tu veux y entrer peut-être? Tu veux que je t'ouvre? Ah, c'est pas mon fût. Et comme ça, nous en serions débarrassés. Tout juste, oui. Et que ce soit prêt pour demain matin, l'anniversaire, c'est bien demain, non? Hein? Parfaitement, c'est demain. Bon, tu n'as plus qu'à t'y mettre, papa. Tu
tu ne viens pas? Oh si, si, après tout, je crois bien que... Non, je n'ai pas le temps, j'ai eu travail. C'est juste l'accès du baquet à revoir, là. Ah, je vais pouvoir être tranquille un moment. Il faut vraiment qu'il aille farfouiller là-dedans. Tu préfères peut-être qu'il court chez Madame Eriksen? Si tu veux, tu disais... Je voulais juste te demander si tu crois qu'on peut mettre le couvert ici pour le petit déjeuner. Oui, personne ne viendra si tôt. Non, je n'attends que les deux fiancés qui veulent poser ensemble. Merde, ils ne pouvaient pas poser ensemble un autre jour. Non, Yalmar chérie, mais je leur ai donné rendez-vous l'après-midi quand tu te reposes. Alors ça va. Oui, mangeons ici. Bien, bien, mais pour le couvert, ça ne presse pas. Tu peux te servir de la table encore un moment. Mais tu le vois, non, que je m'en sers. Mais je m'en sers tant que je peux. Mais comme ça, après tu seras libre. Quoi? J'en ai peur. Il faudra déplacer le baquet malgré tout. Ça, oui, sûrement, ça je l'avais dit. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais juste être avec toi, papa. Qu'est-ce que tu fais à fureter partout? Tu es censé surveiller ou quoi? Mais non, pas du tout. Et ta mère, qu'est-ce qu'elle fait? Oh, maman est en plein préparatif avec la salade. Y a pas quelque chose que je peux faire pour t'aider, papa? Non. Le mieux, c'est que je fasse tout seul. Tant que mes forces y suffiront. Y a rien à craindre, Edwig, tant que ton père gardera la santé. Non, papa, dis pas des choses pareilles. Qu'est-ce qu'il fabrique, dis? Sans doute un nouveau chemin d'accès au baquet. Il ne va jamais y arriver tout seul. Et dire que je suis condamné à rester ici. Laisse-moi faire, papa. Non, tu vas t'abîmer les yeux. Mais pas du tout, laisse-moi faire. Allez. Bon, j'arrive pour une minute ou deux, pas plus. T'inquiète pas. Alors, et ici j'ai le modèle. Mais ne t'abîme pas les yeux, hein, tu entends? Je ne veux pas en répondre. Hein. Tu en prends seul la responsabilité, je te préviens. Oui, oui, je la prends. T'en sors très bien, Edwig. Bon, une minute ou deux, pas plus, hein. Compris. Bonjour. Je vous en prie, entrez. Merci. Je dirais qu'il y a des ouvriers chez vous. Non, c'est seulement papa et grand-père, je vais les prévenir. Non, surtout pas. Je préfère attendre un peu. Quel désordre ici! Laissez. Mais ce sont des photos à retoucher. Oui, un petit travail pour lequel tu peux aider papa. Non, mais je ne veux pas vous déranger. Mais pas du tout. Le canard sauvage a bien dormi cette nuit? Merci, oui, je crois bien. À la lumière du jour, on voit tout autrement qu'hier soir au clair de lune. Oui, ça peut être très différent. Le matin, c'est pas du tout comme l'après-midi. Et quand il pleut, c'est pas du tout comme quand il fait beau. Ah, vous avez remarqué ça? Ben oui, ça se voit. Vous aussi, vous aimez rester là-dedans avec le canard sauvage? Oui, quand c'est possible, je pense... Mais vous n'avez sans doute pas beaucoup de temps libre. Vous allez à l'école, je suppose? Non, plus maintenant. Papa a peur que je m'abîme les yeux. Ah bon? Alors, il vous donne lui-même des leçons? Papa a promis de m'en donner, mais il n'a pas encore trouvé le temps. Mais il n'y a personne d'autre pour vous aider? Si, il y a Monsieur Molvik, mais... Il n'est pas toujours en état de... Enfin... Il est ivre, c'est ça? C'est ça, oui. Alors, vous avez du temps pour autre chose. Et là-dedans, c'est comme un monde en soi, là, j'imagine. Un monde en soi, oui. Et puis, il y a tant de choses étranges. Ah bon? Oui.
Il y a de grandes armoires avec des livres dedans, et dans beaucoup de ces livres, il y a des images. Et puis, il y a un vieux secrétaire avec des tiroirs et des abattons et une grosse pendule avec des figurines qui apparaissent. Mais la pendule ne marche plus. Le temps s'est donc arrêté là-dedans, chez le canard sauvage. Oui. Et puis, il y a des vieilles boîtes de couleurs et des choses comme ça. Et puis, tous les livres. Et ces livres, vous les lisez ? Oui, quand j'y arrive. Mais la plupart sont en anglais et je comprends pas. Alors je regarde les images. Il y a un très gros livre qui s'appelle Harrison's History of London. Il a au moins 100 ans et dedans il y a plein d'images. Sur la couverture, on voit la mort avec un sablier et puis une jeune vierge. Ça fait peur. Mais il y a aussi toutes les autres images avec des églises et des châteaux et des rues et des gros bateaux qui vont sur la mer. Mais et... dites-moi, d'où viennent toutes ces choses étranges ? Autrefois vivait ici un vieux capitaine de bateau, et c'est lui qui les a apportées. On l'appelait le Hollandais volant. Et c'est drôle parce qu'il n'était pas du tout Hollandais. Ah bon ? Non. Mais il est parti finalement et il a laissé tout ça. Écoutez, dites-moi, quand vous restez là à regarder ces images, vous n'avez pas envie de partir et de voir le vaste monde pour de bon ? Oh non, je veux toujours rester à la maison pour aider papa et maman. À retoucher des photos ? Non, pas seulement. Je voudrais surtout apprendre à fabriquer des images comme celles qu'il y a dans les livres anglais. Ah, et qu'est-ce qu'en dit votre père ? Oh, je crois pas que papa serait d'accord. Il est étrange, papa. Imaginez, il dit que je dois apprendre la vannerie et le rempaillage. Mais moi, je trouve ça nul. Ah oui, je trouve aussi. Mais papa a raison, malgré tout. Si j'avais appris à tresser des paniers, j'aurais pu faire le nouveau panier pour le canard sauvage. Oui, vous auriez pu. Et c'était plutôt à vous de le faire. Oui, puisque c'est mon canard sauvage. C'est juste. Et oui, il est à moi. Mais papa et grand-père peuvent me l'emprunter autant qu'ils veulent. Ah bon ? Et qu'est-ce qu'ils en font ? Oh, ils s'occupent de lui, ils lui construisent des choses et tout ça. Ah, je comprends. Car ce canard sauvage est sans doute le plus éminent de tous là-dedans. Oui, bien sûr. Parce que c'est un véritable oiseau sauvage. Et puis, il fait pitié. Il n'a personne à qui s'attacher, le pauvre. Il n'a pas de famille, comme les lapins. Non. Les poules aussi, elles ont plein d'autres poules avec qui elles ont été poussins, mais lui... il a été séparé de tous les siens. Et puis, il y a une chose étrange avec ce canard. Personne ne le connaît. Et personne ne sait d'où il vient. Et puis, il a été au fond des mers. Oh ! Pourquoi dites-vous au fond des mers ? Que devrais-je dire, sinon ? Vous pourriez dire au fond de la mer ou au fond de l'eau ? Et je ne peux pas dire au fond des mers. Si ! Mais moi, ça me fait tout drôle quand d'autres disent au fond des mers. Et pourquoi ? Pourquoi, dites-moi ? Non, je veux pas, c'est trop bête. Sûrement pas, dites-moi pourquoi vous avez souri. C'est parce que toujours, quand je pense comme ça d'un coup à tout ça là-dedans, il me semble toujours que toute la pièce là, tout ça s'appelle le fond des mers. Mais c'est trop bête. Il ne faut pas dire ça. Si, parce que c'est juste un grenier. En êtes-vous si sûr ? Que c'est un grenier ? Oui. En êtes-vous sûr et certain ? Oh, je suis sans doute arrivé trop tôt. Il faut bien que vous soyez quelque part. Et d'ailleurs, c'est bientôt prêt. Aide-moi, Edwin. J'apprends que vous savez faire de la retouche, Madame Ekdal. Mais oui, je sais. Ah, ça tombe vraiment bien. Comment ça, bien ? Puisque Hjalmar est devenu photographe, je veux dire. Maman fait aussi les photos ? Oui, il a bien fallu que j'apprenne. En somme, c'est vous qui faites marcher l'affaire. Oui, quand Hjalmar lui-même est débordé. Oh, il est sans doute très occupé avec son vieux père, je suppose. Oui, et puis ce n'est pas l'affaire d'un homme comme Hjalmar Ekdal de tirer le portrait de n'importe qui. Je trouve aussi, mais puisqu'il s'est engagé dans cette voie... Monsieur Verla peut bien s'imaginer que Hjalmar n'est pas un de ces photographes ordinaires. Bien sûr, mais malgré tout... Qu'est-ce que c'est ? Voilà qu'il tire de nouveau. Ils tirent aussi ? Ils vont à la chasse ! Comment ça ? Tu vas à la chasse, Hjalmar ?
Tu es arrivé? Je ne savais pas, j'étais si occupé. Mais tu aurais pu prévenir. Mais tu tires des coups de feu dans le grenier. Oh, c'est juste avec ça. Toi et grand-père, vous finirez par faire un malheur avec cette carabine. Je crois t'avoir dit qu'une telle arme à feu, hein, s'appelle un pistolet. Oui, oh, c'est pas beaucoup mieux, je trouve. Alors tu es devenu chasseur toi aussi, Hjalmar. Juste une petite chasse aux lapins de temps en temps. C'est surtout à cause de mon père, sûrement. Les hommes sont étranges. Il en faut toujours quelque chose pour se soustraire. C'est ça, ouais. Il nous faut toujours quelque chose pour nous distraire. C'est exactement ce que je dis. Ouais, bon. Et tu vois, ça tombe bien que le grenier soit situé de telle façon que personne ne peut nous entendre tirer. Ne touche pas au pistolet, Edwige, il est chargé. Rappelle-toi. Regardez, vous pouvez bien voir maintenant le canard sauvage. Il a une aile qui pendouille un peu, on dirait. Ça n'a rien d'étonnant, il a été blessé. Et il traîne un peu la patte aussi, ou je me trompe? Peut-être un tout petit peu. Oui, c'est cette patte-là que le chien a mordue. Mais à part ça, il n'a pas d'autre infirmité. C'est vraiment extraordinaire pour une bête qui a reçu une charge de plomb dans le corps et s'est retrouvée dans la gueule du chien. Et qui a été au fond des mers si longtemps. Oui. Ce sacré canard sauvage, ouais. On se crucifie pour lui. Edwige, viens m'aider. Ne reste pas là à regarder mon père, il n'aime pas ça. Et d'ailleurs, je ferais bien de fermer avant que les autres arrivent. Puis c'est tout à fait nécessaire, vois-tu, parce que Gina ne voudrait pas avoir des lapins et des poules dans l'atelier. Bien sûr, mais est-ce que c'est ta femme qui régente la maison? Je lui laisse en général le soin des affaires courantes et pendant ce temps je peux me réfugier dans le bureau et réfléchir à des choses plus importantes. Quel genre de choses, Yalma? Je m'étonne que tu ne l'aies pas encore demandé. Ou peut-être n'as-tu pas entendu parler de l'invention? L'invention? Non. Ah, tu ne sais pas? Mais c'est vrai que là-haut, dans les forêts et les contrées désertes... Alors, tu es sur une invention? Pas tout à fait encore, mais j'y travaille. Tu penses bien que lorsque j'ai décidé de me consacrer à la photographie, c'était pas pour tirer le portrait de n'importe qui. Oui, oui, c'est aussi ce que disait ta femme tout à l'heure. J'ai juré que si je consacrais mes forces à cette profession, je lèverais si haut qu'elle deviendrait et un art, et une science. Et donc, j'ai résolu de faire cette remarquable invention. Et en quoi consiste-t-elle, cette invention? C'est quoi le projet? Mon cher, il ne faut pas me questionner sur les détails. Ça prend du temps, vois-tu? Et ne va pas croire que c'est la vanité qui me pousse, hein. Ce n'est pas pour moi que je travaille. Oh non! C'est une mission vitale qui se dresse devant moi jour et nuit. Mais quelle mission vitale? Oublies-tu le vieillard aux cheveux d'argent? Ton pauvre père, oui, mais que peux-tu faire pour lui? Je peux relever son amour-propre à l'agonie en rendant à la lignée d'Egdal honneur et dignité. C'est donc la mission de ta vie? Ouais. Je veux sauver ce naufragé. Parce qu'il a fait naufrage dès que la tempête s'est abattue sur lui. Hein. Dès que ses terribles enquêtes ont commencé, il n'a plus été lui-même. Ce pistolet, là, celui dont nous nous servons pour tirer les lapins, il a joué un rôle dans la tragédie d'Egdal. Le pistolet? Ah bon? Lorsque le jugement a été rendu et qu'on allait l'incarcérer, il tenait le pistolet dans sa main. Ah bon? Ouais. Mais il n'a pas osé. Il a été lâche. Déjà dégradé, déjà ruiné dans l'âme à ce moment-là. Mais peux-tu comprendre ça? Lui, un militaire. Lui qui avait tué 9 ours. Qui descendait de 2 lieutenants-colonels. Enfin bon, l'un après l'autre, naturellement. Mais peux-tu comprendre ça, Davis? Oui, je comprends. Et moi pas. Et de nouveau, le pistolet est intervenu dans l'histoire de notre famille. Lorsqu'on lui a enlevé sa ceinture, ses lacets, qu'on l'a mis sous les verrous, ce fut une période épouvantable pour moi, tu l'imagines. J'avais les stores baissés à mes deux fenêtres. Quand je regardais au dehors, je voyais que le soleil brillait comme d'habitude et je ne comprenais pas. Je voyais les gens passer dans la rue, rire, parler de choses insignifiantes. Je ne comprenais pas. Il me semblait que l'existence tout entière aurait dû être en suspens, comme pendant une éclipse solaire. J'ai ressenti la même chose quand ma mère est morte. C'est à ce moment-là que Hjalmar Ekdal
braqua le pistolet contre sa poitrine. Toi aussi, tu as pensé? Ouais. Mais tu n'as pas tiré. Non. Au moment décisif, j'ai remporté la victoire sur moi-même. Je suis resté en vie. Il faut du courage pour moi pour choisir la vie dans ces conditions. Oui, sans doute. Oh, si, je t'assure. Mais cela valait mieux, car maintenant, je vais bientôt achever mon invention. Et alors, le docteur Rayling pense tout comme moi que mon père aura de nouveau le droit de porter son uniforme. C'est le seul salaire que j'exigerai. C'est donc cette histoire d'uniforme qui... Mais oui, il n'aspire qu'à ça. Tu ne peux pas t'imaginer comme ça me déchire le cœur. Chaque fois que nous avons une petite fête de famille, comme l'anniversaire de notre mariage, Gina et moi, ou n'importe quoi, alors le vieillard apparaît, revêtu de son uniforme de lieutenant des jours heureux. Mais dès que l'on frappe à la porte d'entrée, parce qu'il n'ose pas se montrer à des étrangers, vois-tu, il file comme une flèche dans sa chambre, aussi vite que ses vieilles jambes lui permettent. Pour le cœur d'un fils, c'est déchirant de voir ça. En combien de temps environ crois-tu pouvoir achever ton invention ? Mon cher, il ne faut pas me questionner sur les détails de ce genre. Une invention, ce n'est pas une chose dont on est maître entièrement. Ça dépend en grande partie de l'inspiration, de l'intuition. Et il est presque impossible d'estimer à l'avance quand elle se produira. Mais ça progresse quand même. Bien sûr que ça progresse. Tous les jours, je me débat avec cette invention. Tous les après-midi, je m'enferme dans le bureau où je peux cogiter au calme. Mais il ne faut pas me mettre sous pression. C'est aussi la vie vraie ligne. Et tu ne trouves pas que tous ces aménagements, là, dans le grenier, t'en éloignent et te dispersent ? Non, au contraire. Il ne faut pas dire ça. Je ne peux pas rester là à ressasser les mêmes pensées extérieurement. Il faut que j'ai quelque chose à côté pour combler l'attente. L'inspiration, l'intuition, vois-tu, elle vient quand elle vient. Hein. Mon cher Hjalmar, je crois bien que tu as en toi quelque chose du canard sauvage. Du canard sauvage ? Comment ça ? Tu as touché le fond et tu t'es accroché aux algues. Tu veux sans doute parler du coup presque mortel qui a frappé mon père à l'aile et moi avec ? Pas exactement. Je ne dirais pas que tu es estropié, mais tu es tombé dans un marais pestilentiel, Hjalmar. Une maladie s'est insinuée dans ton corps et tu as plongé jusqu'au fond pour mourir dans l'obscurité. Moi ? Mourir dans l'obscurité ? Non, écoute, Grégoire, cesse de dire des absurdités pareilles. Sois tranquille, je saurai te repêcher, car j'ai moi aussi une mission vitale, vois-tu ? Je l'ai, depuis hier. C'est possible, mais laisse-moi en dehors de tout ça. Je t'assure que, hormis ma mélancolie parfaitement explicable, naturellement, je me porte aussi bien qu'un homme peut le souhaiter. Ça aussi, c'est un effet du poison. Non, ne me parle plus de maladie et de poison. Je ne suis pas habitué à ce genre de conversation. Chez moi, on ne parle jamais de choses désagréables. Ça, je veux bien le croire. Car ça ne me fait pas de bien. Et ici, il n'y a pas d'air marécageux, comme tu dis. La maison du pauvre photographe est modeste, je le sais, ma condition est précaire. Mais je suis un créateur, vois-tu ? Et un soutien de famille aussi. Et cela m'élève au-dessus de ma petite condition. Ah, voilà le petit déjeuner. Eh bien, ces deux-là arrivent au bon moment. Molvik a cru sentir une odeur de hareng, et alors plus moyen de le retenir. Bonjour, Egdan. Grégoire, puis-je te présenter le licencié en théologie Molvik ? Le docteur ? Oui, Aline, tu le connais, n'est-ce pas ? Oui, vaguement. Oh, mais c'est Monsieur Verle Junior. En effet, nous en sommes déjà venus aux mains, là-haut, à l'usine d'Oedal. Vous venez d'emménager ? J'ai emménagé ce matin. Oh, Molvik et moi, nous logeons en dessous. Si bien vous aurez docteur et pasteur à proximité, en cas de besoin. Merci. C'est fort possible, car hier, nous étions 13 à table. Non, ne recommence pas tes allusions sinistres. Mais rassure-toi, Egdal, ça ne te concerne sûrement pas. Je l'espère bien pour ma famille. Mais mangeons, buvons et soyons en guerre. Nous n'attendons pas ton père ? Non, il préfère être servi dans sa chambre plus tard. Hier, Molvik s'est pris une sacrée cuite, Madame Egdal. Ah bon ? Hier encore ? Mais vous avez pas entendu quand je suis rentré avec lui cette nuit ? Non, j'ai rien entendu. Bah tant mieux, parce que cette nuit, Molvik était dans un sale état. C'est vrai, Molvik ? Tirons un trait sur les événements de cette nuit. Ils ne relèvent pas de mon meilleur moi. Alors, ça nous saisit comme une lubie, et après, il faut que je sorte faire la bringue avec lui. Vous voyez, parce que Molvik est démoniaque, voyez-vous ? Démoniaque ? Ouais, il y a du démon en lui. Oh. Et les natures démoniaques ne sont pas faites pour marcher droit en ce monde. Il leur faut faire des détours de temps à autre. Et vous, vous tenez encore bon là-haut, dans cette affreuse usine toute noire ? J'ai tenu bon jusqu'ici.
Et avez-vous encaissé cette créance que vous présentiez à tout le monde? La créance? Ah, oui. Tu as encaissé des créances, Brigas? Oh, des bêtises. Ah, mais si. Il faisait la tournée de tous les miséreux dans leur taudis et leur présentait une chose qu'il appelait votre dette envers l'idéal. J'étais jeune à l'époque. Oui, vous avez raison, vous étiez très jeune. Mais cette dette envers l'idéal, vous n'avez jamais pu faire qu'elle soit honorée tant que moi j'ai été là-haut. Ni plus tard. Vous avez sans doute eu la sagesse d'en rabattre un peu sur le montant, je pense. Jamais, lorsque j'ai devant moi un homme digne de ce nom. Oui, je trouve ça très raisonnable. Un peu de beurre, chien. Et un morceau de lard pour me lever. Pas de lard. Edwige, va ouvrir, grand-père veut sortir. Bonjour, messieurs. Bonne chasse. On a tiré un gros. Mais tu l'as dépouillé avant que j'arrive. Je l'ai salé aussi. C'est bon, c'est tendre comme chair. La chair de lapin. Et doux avec ça. Un goût sucré. Bon appétit, messieurs. Excusez-moi. Je ne peux pas. Il faut que je descende en vitesse. Et bois de l'eau gazeuse, bonhomme. Allez, buvons un petit coup à la santé du vieux chasseur. À la santé de l'athlète au bord de la tombe, oui. À la santé des cheveux gris. Dis-moi, est-ce des cheveux gris qu'il a ou sont-ils blancs? Un peu entre les deux, d'ailleurs, il n'en a plus beaucoup sur le crâne. Bon, et même avec une perruque, on peut faire son chemin dans l'existence. Mais oui, tu es au fond un homme heureux, Ekdal. Tu as cette belle mission vitale à laquelle te vouer. Mais je m'y dévoue, ben, crois-moi. Et puis tu as une petite femme, futée, qui va et vient en dandinant des hanches et qui prend soin de toi. Gina, oui, tu es une bonne compagne sur le chemin de la vie. Allez, ne restez pas là à papoter sur moi. Et puis, tu as ton Edwige, Ekdal. Mon enfant avant tout. Edwige, viens près de moi. Viens. Quel jour serons-nous demain? Oh non, dis rien, papa. C'est comme une pointe de couteau dans le cœur quand j'y songe. Ce ne sera pas grand-chose, ce sera juste une petite fête dans le grenier. Mais justement, c'est ça qui sera merveilleux. Et attends seulement que sa remarquable invention voie le jour, Edwige. Ah ouais. Alors là, tu verras. Edwige, j'ai décidé d'assurer ton avenir. Tu seras à l'abri du besoin tant que tu vivras. J'exigerai quelque chose pour toi, on verra quoi. Ce sera l'unique salaire du pauvre créateur. Oh, mon papa! Mon papa chéri! Eh bien, vous trouvez pas ça agréable pour changer, d'être assis à une table bien servie, dans un cadre familial heureux? Oui, vraiment, ces heures passées à table, je les apprécie. Pour ma part, l'air des marécages ne me convient pas. L'air des marécages? Non, ne recommence pas avec ça. Dieu sait qu'ici, il n'y a pas d'odeur de marécage, monsieur Verle, car j'aère tous les jours. La puanteur dont je parle, il ne suffit pas d'aérer pour la chasser. La puanteur? Qu'est-ce que tu dis de ça, Yelma? Pardon, ne serait-ce pas vous-même qui rapportez cette puanteur des mines de là-haut? Cela vous ressemblerait assez d'appeler puanteur ce que j'apporte dans cette maison. Écoutez, monsieur Verle Junior, je vous soupçonne fortement d'avoir encore en poche cette exorbitante dette envers l'idéal. C'est dans le cœur que je l'ai. Mais peu importe où elle est, je vous déconseille de jouer les encaisseurs ici tant que moi j'y serai. Et si je le fais quand même? Alors vous descendrez l'escalier, tête la première, vous voilà prévenu. Non mais enfin, Réline! C'est ça, jetez-moi dehors. On ne vous laissera pas faire, Réline. Mais il faut que je vous dise, monsieur Verle, vous qui avez fait toutes ces saletés avec votre poil, vous êtes mal placé pour me parler de puanteur. Voilà un déjeuner qui tombe à l'eau. Habille-toi, Hjalmar. Nous allons faire une longue promenade. Tu ne devrais pas sortir avec lui, Hjalmar. Non, n'y va pas, reste où tu es. Comment ça?
alors qu'un ami de jeunesse ressent le besoin de s'ouvrir à moi seul à seul. Non, mais tu vois pas que ce type est fou, taré, détraqué. Oui, tu entends? Sa mère aussi avait des espèces de sautes psychiques. Il a d'autant plus besoin de l'œil vigilant de la mission. On dînera à tôt. À tout à l'heure. Quel malheur que cet homme-là ne soit pas tombé en enfer dans une des mines d'Oridal. Pourquoi dites-vous ça? Ouais, j'ai mes idées là-dessus. Croyez-vous que le jeune Verla soit réellement fou? Oh non, malheureusement, il n'est pas plus fou que tout un chacun. Mais il a une maladie, c'est certain, chevillée au corps. Qu'est-ce qu'il a qui va pas? Mais je vais vous le dire, Madame Ekdal, il souffre d'une fièvre de transparence aiguë. Une fièvre de transparence. C'est une maladie, ça? Ouais, c'est une maladie nationale. Mais elle ne se produit que par accès. Merci pour le petit déjeuner. Ça a toujours été du poisson pourri. Je trouve tout ça étrange. Mais comment ça se fait que papa n'est pas encore rentré? Tu es sûre qu'il n'est pas en bas, chez Redding? Non, il n'y est pas. Tout à l'heure, je suis descendue en vitesse par l'escalier de service et j'ai demandé. Et son repas qui refroidit? Oui, et dire que papa est toujours à l'heure pile pour le dîner. Il sera bientôt là, tu vas voir. Si seulement c'était vrai. Je trouve qu'ici, tout est devenu tellement étrange. Le voilà. Papa, tu nous as fait attendre. Tu es resté longtemps dehors, Hjalmar? Assez longtemps, oui. Tu as peut-être mangé avec Gregers? Non. Alors je vais t'apporter ton dîner. Non, laisse, je ne mangerai pas. Ça ne va pas bien, papa? Bien, oh si, si, plutôt bien. Nous avons fait une promenade épuisante, Gregers et moi. Tu ne devrais pas, Hjalmar, tu n'as pas l'habitude. Oh, il y a tant de choses auxquelles un homme doit s'habituer en ce monde. Il y a eu des visites pendant mon absence? Personne, hormis les deux qui voulaient poser en marié. Pas de nouvelles commandes? Non, pas aujourd'hui. Tu vas voir, il y en aura sûrement demain, papa. Si seulement c'était vrai. Parce que demain, je compte sérieusement me mettre au travail. Demain? Mais tu oublies quel jour c'est demain? Ah oui, c'est vrai. Alors, après demain. Dorénavant, je veux tout faire moi-même. Je veux seul faire tout le travail. Du coup, ça va t'avancer, Hjalmar. Tu vas te rendre la vie infernale. Moi, je me charge des photos et comme ça, tu peux, toi, t'occuper de ton invention. Et du canard sauvage, papa. Et de toutes les poules et des lapins. Non, non, ne parle plus de ces absurdités. À partir de demain, je ne mettrai plus les pieds au grenier. Mais papa, tu m'as promis que demain, il y aurait une petite fête. Ah oui, c'est vrai. Alors, à partir d'après-demain, ce damné canard sauvage, j'ai bien envie de lui tordre. Mon canard sauvage! Tu ne veux pas entendre. Non, mais papa, c'est mon canard sauvage! Oui, c'est pourquoi je ne le fais pas. Je n'en ai pas le cœur. J'en ai pas le cœur à cause de toi, Eddie. Mais je sens, au plus profond, que je devrais le faire. Je ne devrais pas tolérer sous mon toit une créature qui était dans ses mains-là. Grand Dieu, alors, parce que grand-père l'a reçu de cette horrible Peterson. Il y a certaines exigences... comment dire laissez-moi les appeler les exigences de l'idéal. Certaines dettes... qu'un homme ne peut délaisser sans que son âme en soit blessée. Mais le canard, le pauvre canard sauvage... Puisque je te dis que je l'épargnerai, à cause de toi, on ne touchera pas un cheveu... Bon, c'est dit, je l'épargnerai. Et puis il y a aussi d'autres tâches plus importantes à entreprendre.
Tu devrais sortir un peu comme d'habitude, Edwige. Maintenant que la lumière du jour est plus faible, c'est mieux pour toi. Non, j'ai pas envie de sortir. Ah si, vas-y, chat. Il me semble que tu clignes des yeux. Ce n'est pas bon pour toi, toutes ces vapeurs qu'il y a ici. L'atmosphère est lourde sous ce toit. Alors bon, je descends en courant l'escalier de service et je remonte dans un petit moment. Mon manteau, mon bonnet, ils sont dans ma chambre. Papa, tu feras pas de mal au canard sauvage pendant que je suis dehors. On ne lui arrachera pas une plume de la tête. Toi et moi, Edwige. Nous deux. Bon, allez, va. Gina? Oui. À partir de demain, plutôt disons, à partir d'après-demain, je voudrais bien tenir moi-même les comptes. Tu veux aussi tenir les comptes? Oui, oui. Ou du moins avoir une idée de nos revenus. Ah, pour ça, ce sera vite fait. Ça n'a pas l'air, pourtant. Il me semble que tu fais durer l'argent étrangement longtemps. Comment est-ce possible? C'est que nous avons besoin de peu, Edwige et moi. Est-il vrai que papa est grassement payé pour son travail de copie chez le négociant Verle? Je ne sais pas s'il est grassement payé, je ne connais pas le prix de ces choses-là. Mais enfin, combien touche-t-il environ? Dis-le-moi. C'est variable. Il touche environ ce qu'il nous coûte, avec un peu d'argent de poche en plus. Ce qu'il nous coûte? Et tu ne me l'as jamais dit. Ben non, je pouvais pas. J'étais si heureux de croire qu'il recevait tout de toi. Et il reçoit ça du négociant Verle? Ouais, Verle a de quoi, lui. Puis on peut pas savoir si c'est de Verle lui-même, c'est peut-être bien Graberg. Pourquoi faire diversion en me parlant de Graberg? Mais je sais pas, je pensais... Écoute, c'est pas moi qui ai fourni à ton vieux père ce travail d'écriture, c'est Bertha, du temps où elle venait chez nous. Dirais que tu as la voix qui tremble. Moi? Ouais, et les mains aussi, ou je me trompe? Dis-le carrément, Hjalmar. Qu'est-ce qu'il est allé raconter sur moi? Est-il vrai? Peut-il être vrai qu'il y ait eu quelque chose entre Verle et toi à l'époque où tu servais chez lui? C'est pas vrai. Pas à l'époque, non. Monsieur Verle nous courait après, ça, oui. Et madame a cru qu'il y avait quelque chose, et alors elle a fait tout un raffut, et elle m'a battue, et m'a tiré les cheveux, ouais, elle a fait ça. Et alors j'ai quitté son service. Alors c'est pas vrai? Oui, je suis rentrée à la maison, et ma mère, elle était pas si bien que tu le pensais, Hjalmar. Elle n'arrêtait pas de me bassiner à dire que le négociant était veuf à présent, alors, hein? Et alors? Oui, vaut mieux que tu le saches, il n'en a pas démordu tant qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait. C'est la mère de mon enfant! Mais comment as-tu pu me cacher une chose pareille? Ouais, j'ai mal fait, j'aurais dû te le dire il y a longtemps. C'est d'emblée que tu aurais dû le dire! Alors j'aurais su quel genre de femme tu étais! Et tu m'aurais épousé quand même? Peux-tu l'imaginer? Non! Et c'est pourquoi j'ai pas osé te le dire à l'époque. Tenais à toi très fort, comme tu sais. Et je pouvais quand même pas faire mon propre malheur. Mais c'est la mère de mon éthique. Mais quand je pense que tout ce que j'ai sous les yeux, tout, je le dois à mon heureux prédécesseur, à ce secteur de fer. Tu regrettes les 14-15 années que nous avons passées ensemble? Mais toi, toi, dis-moi si chaque jour, chaque heure passant, tu n'as pas regretté cette toile de mensonge que tu as comme une araignée tissée autour de moi. Mais réponds-moi! Les remords et les tourments ne t'ont pas torturé? Et Hjalmar, chérie, j'ai eu bien assez à faire avec la maison. Donc, tu ne portes jamais un regard scrutateur sur ton passé? Non, Dieu sait, j'avais presque oublié ces vieilles histoires. Ce calme buté, ce détachement, il a pour moi quelque chose de révoltant. Dire que même pas un remords! Mais dis-moi, Hjalmar, que serais-tu devenu sans une femme comme moi? Une femme comme? Oui. Car j'ai toujours eu un peu plus les pieds sur terre que toi. Ce que je serais devenu? Oui, parce que tu prenais toutes sortes de mauvais chemins quand tu m'as rencontré. Ça, tu ne peux pas le nier. Tu appelles ça des mauvais chemins? Mais tu ne comprends pas ce qu'éprouve un homme quand il angoisse et désespère. Mais notamment un homme qui a mon tempérament de feu! Non, non, possible. Et je n'ai rien à redire car tu es devenu un homme vraiment bien sitôt que tu as eu un foyer. C'était devenu si gai chez nous. Et on allait enfin pouvoir, Edwige et moi, s'offrir quelques plaisirs. Mais moi aussi, je pensais qu'il faisait bon vivre dans cette maison. Mais c'était une illusion. Où trouverais-je maintenant le ressort nécessaire pour mener à bien mon invention dans le monde réel? Peut-être mourra-t-elle avec moi, Gina. Et alors ce sera ton passé qui l'aura tué. Non, Hjalmar, ne dis pas une chose pareille. Moi qui, chaque jour de ma vie, ai voulu faire de mon mieux pour toi. Mais je te le demande. Qu'en est-il maintenant du rêve d'un père de famille?
Hein? Quand j'étais allongé sur le canapé et cogitais sur mon invention, je pressentais qu'elle absorbera mes dernières forces. Je sentais que le jour où j'aurais le brevet de l'invention entre les mains, ce jour-là, ce serait le jour de mes adieux. Puis c'était mon rêve de t'imaginer en veuve fortunée de l'inventeur défunt. Arrête de parler comme ça. Mon Dieu, faites que je ne vive jamais ce jour où je serai veuve. Mais qu'importe! Maintenant, de toute façon, tout est fini, tout! Je peux entrer? Oui, viens. Eh bien, chers amis, ce n'est pas encore fait? Si, c'est fait. C'est fait. J'ai vécu le moment le plus amer de ma vie. Ah, mais aussi le plus exaltant, je pense. Enfin, ça nous en voilà débarrassé, en tout cas. Dieu vous pardonne, monsieur Verle. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Une si grande explication. Une explication sur laquelle devait se fonder une toute nouvelle existence. Une existence, une vie commune, dans la vérité, sans rien dissimuler. Je sais bien. J'étais sûr, passer le seuil de cette porte, d'être frappé par la lumière de la transfiguration du mari et de la femme, et je ne vois devant moi qu'une morne et sombre et triste. Ben voyons. Vous ne voulez pas me comprendre, madame Ekdal? Non, non, à vous, il faudra sans doute du temps. Mais toi-même, tu dois bien avoir acquis un point de vue plus élevé grâce à cette grande explication. Oui. Naturellement, enfin, c'est-à-dire oui, d'une certaine façon. Parce que rien au monde ne peut se comparer à la joie de pardonner à une pécheresse et de l'élever jusqu'à soi, par amour. Et crois-tu qu'un homme se remette si facilement de la boisson amère que je viens d'avaler? Un homme ordinaire, non, sans doute. Mais un homme comme toi. Oui, mon Dieu, je sais bien, mais il ne faut pas me mettre sous pression, je garce. Il me faut du temps, vois-tu. Il y a du canard sauvage en toi, Yelma. Tiens donc, du canard sauvage, il est encore question. Le trophée de chasse qui bat de l'aile, du négociant Verle. Le négociant Verle, c'est de lui que vous parlez? De lui, et de nous. Foutez-moi le camp d'ici. Qu'est-ce que tu dis? J'exprime le vif désir de voir ce charlatan reprendre le chemin de chez lui. S'il reste ici, il est homme à vous démolir tous les deux. Ces deux-là ne seront pas démolis, monsieur Helling. De Hjalmar, je ne parlerai pas. Lui, nous le connaissons. Mais elle aussi a certainement au fond de son être quelque chose en quoi on peut croire. Quelque chose d'honnête. Alors vous n'avez qu'à me laisser passer pour ce que j'étais. Est-il indiscret de vous demander ce que vous venez faire au juste dans cette maison? Je veux poser les fondations d'un vrai mariage. Vous ne trouvez pas que ce couple est assez bien tel qu'il est? C'est un couple certainement qui en vaut bien d'autres, malheureusement. Mais un vrai couple, il ne l'est pas encore. Tu n'as jamais su apprécier ce qu'est l'exigence de l'idéal, Aline. Des foutaises, mon gars. Monsieur Verle Junior, avec votre permission, combien, comme ça, hein, au hasard, combien de vrais couples avez-vous vu dans votre vie? Je ne crois pas en avoir vu un seul. Moi non plus. Mais j'ai vu d'innombrables couples de l'espèce opposée, et j'ai eu l'occasion de voir de près les dégâts que ce genre de mariage peut causer chez deux êtres humains. Tout le fondement moral d'un homme peut se dérober sous ses pieds, c'est ça qui est terrible. Bon, je n'ai jamais été marié à proprement parler, je me garde donc bien de parler de ces choses. Mais ce que je sais, c'est que l'enfant aussi fait partie du mariage. Hein? Et l'enfant, faut la laisser en paix. Hedwig? Oui, Hedwig. Vous êtes prié de la laisser en dehors de tout ça. Vous deux, vous êtes adultes, vous pouvez saccager vos rapports si ça vous chante, mais Hedwig, faut être prudent avec elle, je vous le dis. Sans quoi vous pourriez commettre un malheur. Un malheur? Oui, ou elle pourrait commettre un malheur sur elle-même. Et peut-être aussi sur d'autres. Mais comment pouvez-vous le savoir, Helling? Il n'y a pourtant pas de danger imminent pour ses yeux. Non, mais ça n'a rien à voir avec ses yeux. Mais Hedwig est à un âge difficile. Elle est capable de choses folles. Oui, c'est vrai ça. Elle s'est mise à faire des siennes en jouant avec le feu dans la cuisine. Elle appelle ça jouer à l'incendie. Des fois, j'ai peur qu'elle mette le feu à la maison. Ben, vous voyez bien, je le savais. Comment l'expliquez-vous? Elle fait sa mue, mon vieux. Tant que cet enfant m'a, moi, tant que mon crâne n'est pas encore sous terre... Bonsoir. Non, c'est toi, Bertha? Ben oui, c'est moi. Je dérange, peut-être? Non, voyons. Une messagère venant de cette maison-là. Pour parler franc, j'espérais ne pas croiser tes hommes chez toi à cette heure-ci. Et je suis montée vite pour papoter un peu et te dire au revoir. Ah, tu t'en vas? Oui, demain tôt, pour Oidan.
Monsieur Verleux est parti cet après-midi. Bien des choses de sa part. Si, monsieur Verleux est parti et vous allez le rejoindre. Oui. Qu'en dites-vous, Egdal? Prenez garde, je vous dis. Je vais t'expliquer. Mon père épouse madame Serby. L'épouse? Ah, Bertha, enfin. C'est pas vrai, n'est-ce pas? Eh si, mon cher Relling, c'est la vérité vraie. Vous voulez vous remarier? Oui, c'est en bonne voie. Verleux a obtenu une dispense de banc et nous convolerons en toute intimité et là-haut, à l'usine. Eh bien, je vous souhaite bien du bonheur. Un bon beau-fils que je suis. Merci à vous, si c'est sincère. Et j'espère bien qu'il y aura du bonheur pour Verleux et pour moi. Oh, vous pouvez être confiante. Le négociant Verleux ne se saoule jamais, autant que je sache. Et il n'a pas non plus pour coutume de tabasser ses femmes, comme le faisait Folle vétérinaire. Oh et oh. Laissez Serby reposer là où il est. Il avait ses bons côtés, lui aussi. Oh, le négociant Verleux en a de bien meilleurs, je pense. En tout cas, il n'a pas gaspillé ce qu'il avait de meilleur en lui. L'homme qui fait ça, il en paiera les conséquences. Bon, ce soir, je sors avec Molvik. Vous ne devriez pas, Relling. Ne le faites pas. Pour moi. C'est inéluctable. Si tu veux venir avec nous... Non, merci. Hjalmar ne va jamais dans ces endroits-là. Si tu pouvais te taire. Au revoir, madame... Verle. Il semble que vous et le docteur Relling vous connaissiez plutôt bien. Oh oui, nous nous connaissons depuis des années. Et à un moment, il y aurait même pu avoir quelque chose entre nous. C'est une bonne chose pour vous qu'il n'y ait rien eu. Vous pouvez le dire. Mais je me suis toujours gardée de suivre mes impulsions. Une femme ne peut pas s'abandonner comme ça non plus. Vous n'avez pas peur que je parle à mon père de cette vieille connaissance? Vous pensez bien que je lui en ai parlé moi-même. Vraiment? Mais votre père sait jusqu'au moindre détail ce que les gens pourraient avoir la fantaisie de dire sur moi, non sans quelque vérité. Tout ça, je lui ai dit. C'est même la première chose que j'ai faite lorsqu'il a manifesté ses intentions. Alors vous êtes d'une franchise peu commune, je trouve. J'ai toujours été franche. C'est ce qui nous réussit le mieux, à nous autres femmes. Que dis-tu de ça, Lina? Nous, les femmes, nous sommes si différentes. Il y en a qui font comme ci et d'autres qui font comme ça. Oui, Gina, c'est vrai. Mais je crois que le plus sage est d'agir comme je l'ai fait. Et Verleux non plus n'a rien caché le concernant. C'est ça qui nous a rapprochés le plus. Maintenant, il peut rester à me parler aussi ouvertement qu'un enfant. Il n'en avait jamais eu l'occasion auparavant. Lui qui a passé toutes ses plus belles années à se faire sermonner, et bien souvent ses sermons portaient sur des fautes purement imaginaires, d'après ce qu'on m'a dit. Ouais, c'est bien vrai ce que tu dis. Si ces dames s'engagent sur ce terrain, il vaut mieux que je m'en aille. Oh, si ce n'est que ça, vous pouvez rester. Je ne dirai pas un mot de plus. Mais je voulais que vous sachiez que je n'ai pas usé de mensonges, ni de ruses, d'aucune sorte. Alors, on peut penser que c'est un très grand succès que je remporte. Et c'est vrai, en un sens. Mais je pense malgré tout que je ne reçois pas plus que je ne donne. Je ne trahirai sûrement jamais. Et le servir, lui être utile comme aucune autre, je le peux, maintenant qu'il va bientôt être infirme. Il va être infirme? Oui, bon, ne parlez pas de ça ici. Il ne sert à rien de cacher plus longtemps, même s'il en a le désir. Oui, il va devenir aveugle. Il va devenir aveugle? C'est étrange. Il va devenir aveugle lui aussi. Oh, il y en a beaucoup qui le deviennent. Oui, mais pour un homme d'affaires, on peut imaginer ce que ça veut dire. Enfin, je tâcherai d'employer mes yeux pour le servir du mieux que je pourrai. Mais je n'ose rester plus longtemps. Je suis si fébrile en ce moment. Ah oui, voilà ce que j'avais à vous dire, Egdal. S'il y a quelque chose que Verleux puisse faire pour vous, vous n'avez qu'à vous adresser à Graberg. Cette offre, Hjalmar Egdal certainement la refusera. Ah bon? Il me semble pourtant que par le passé... Non, Bertha, Hjalmar n'a plus besoin de quoi que ce soit venant de Monsieur Verle. Vous voulez vous saluer votre futur mari de ma part et lui dire que j'ai très prochainement l'intention d'aller trouver le comptable Graberg. Comment ça? D'aller trouver le comptable Graberg, dis-je, pour lui demander le solde de ce que je dois à son patron. Je tiens à régler cette dette d'honneur. On appellera ça une dette d'honneur, mais pas ça. Je tiens à régler tout. Les 5% d'intérêt compris. Mais Hjalmar, Dieu, mettez-moi, nous n'avons pas l'argent. Voulez-vous dire à votre fiancée que
que je travaille sans relâche à mon invention. Voulez-vous lui dire que ce qui soutient mes forces intellectuelles dans cette occupation épuisante, c'est le désir de me défaire du pénible fardeau d'une dette. Voilà pourquoi je travaille à mon invention. Et tout le bénéfice servira à me libérer des avances pécuniaires de votre futur époux. Il s'est passé quelque chose dans cette maison. Oui, en effet. Bien. Au revoir, donc. Gina, j'aurais encore quelque chose à te dire, mais ce sera pour une prochaine fois. Je te raccompagne. Non, reste ici, Gina. Au revoir. Voilà, Gregors. Je me suis enfin débarrassé de cette épouvantable affaire de dette. Bientôt, en tout cas. Je crois que mon attitude a été correcte. Tu es l'homme que je me suis toujours figuré. Dans certains cas, il est impossible de se soustraire aux exigences de l'idéal. En tant que père de famille, je me dois de ployer et gémir sous la charge. Parce que tu peux me croire, c'est vraiment pas rien pour un homme sans fortune d'acquitter une dette ancestrale sur laquelle s'est déposée, pour ainsi dire, la poussière de l'oubli. Mais peu importe. L'être humain que je suis exige aussi son droit. Mon cher Hjalmar, n'était-ce pas une bonne chose que je vienne ? Si. Que tu puisses y voir clair enfin sur la situation, n'était-ce pas une bonne chose ? C'est bien sûr que oui. Mais il y a une chose qui révolte mon sens de la justice. Et qu'est-ce que c'est ? C'est le fait que... Je ne sais pas si j'ose m'exprimer aussi ouvertement sur ton père. Il n'y a aucun scrupule à mon égard. Bon. Mais vois-tu, je trouve qu'il y a quelque chose de révoltant à la pensée que ce n'est pas moi, mais lui qui va réaliser ce vrai mariage. Enfin, comment peux-tu dire une chose pareille ? Mais si, c'est un fait ! Ton père et Madame Sorby vont s'unir dans un mariage qui est fondé sur une confiance totale, fondé sur une sincérité absolue et inconditionnelle de part et d'autre. Ils ne se cachent rien, il n'y a pas de mensonge entre eux. Il y a proclamation, si je peux m'exprimer ainsi, d'un pardon mutuel de leur péché. Oui, et alors ? Eh bien, toutes les conditions sont réunies. Tout ce qui permet, comme tu l'as dit toi-même, de fonder un vrai mariage. Mais d'une toute autre manière, Elma. Tu ne vas tout de même pas vous comparer, elle et toi, à ces deux-là. Enfin, tu me comprends. Mais je ne peux pourtant pas m'empêcher de penser qu'il y a dans tout ça quelque chose qui blesse et qui offense mon sens de la justice. On dirait que le monde n'est en rien gouverné par la justice. Non, Yalmar, faut pas dire des choses pareilles. Enfin, n'abordons pas ces questions-là. Mais d'un autre côté, c'est certain, j'aperçois le doigt régulateur du destin, malgré tout. Il va devenir aveugle. Oh, ce n'est peut-être pas si sûr. C'est indubitable. Nous n'avons pas à en douter, en tout cas. Car précisément, dans ce fait, réside la juste expiation. Il a, en son temps, aveuglé une créature naïve. Hélas, il en a aveuglé beaucoup. Et voici, et énigmatique... l'inexorable qui exige les propres yeux du négociant. Tu oses dire de telles horreurs, vraiment, tu me fais peur. Il faut bien se plonger dans les ténèbres de l'existence de temps en temps. Tu es déjà de retour ? Oui, je voulais pas me promener plus longtemps et tant mieux parce que j'ai croisé quelqu'un à la porte. Cette Madame Sorby, sans doute. Oui. J'espère que tu n'auras plus à la revoir. Papa ? Oui, y a-t-il, Edwige ? Madame Sorby avait quelque chose pour moi. Pour toi ? Oui, quelque chose pour demain. Oui, Bertha a toujours eu un petit quelque chose pour toi le jour de ton anniversaire. Qu'est-ce que c'est ? Non, tu ne le sauras pas maintenant. Maman me le donnera dans mon lit demain matin. Non ! Toutes ces manigances derrière mon dos ! Non, non, tu peux voir si tu veux, c'est une grande lettre. Une lettre ? Montre-moi cette lettre. Mais tu n'as qu'à voir. C'est l'écriture du négociant vert, là. Tu en es sûre, Yalma ? Regarde toi-même. J'en sais rien, moi. Edwige, puis-je ouvrir cette lettre et la lire ? Mais oui, bien sûr, si tu veux. Non, Hjalmar, pas ce soir. Elle est pour demain, non ? Oh, mais laisse-le donc lire. C'est sûrement une bonne chose et papa sera content et tout redeviendra gai ici. Je peux l'ouvrir, alors ? Oui, s'il te plaît, papa. Ça m'amuse de savoir ce que c'est. Bon. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui est écrit ? Oui, papa, dis-le ! Tiens-toi tranquille ! C'est un acte de donation, Edwige. Pour de vrai ? Qu'est-ce qu'on me donne ? Lis-toi-même. Les yeux...
Les yeux et cette lettre. Oui, mais il me semble que c'est plutôt pour grand-père, tout ça. Toi, Gina, tu comprends quelque chose? Je ne suis au courant de rien. Le négociant Verle écrit à Edwig que son vieux grand-père n'a plus besoin de se fatiguer à faire de la copie, qu'il pourra désormais retirer 100 couronnes chaque mois au bureau. 100 couronnes, maman, j'ai bien lu. Une bonne chose pour grand-père? 100 couronnes, aussi longtemps qu'il en aura besoin. Ce qui veut dire, bien entendu, jusqu'à ce qu'on lui ferme les yeux. Le voilà donc à l'abri du besoin, le pauvre. Mais il y a la suite, tu n'as pas tout lu, Edwig. Après, cette donation te reviendra. À moi, tout ça? Tu es assuré de la même somme pour le restant de tes jours, écrit-il. Tu entends ça, Gina? Oui, j'entends. Imagine tout l'argent qu'on me donne. Papa! Papa, tu n'es pas content! Content? Quelle vision! Quelle perspective se révèle devant moi! C'est Edwig! C'est elle qu'il dote si généreusement! Oui, c'est pour l'anniversaire d'Edwig. Mais ça te reviendra quand même, papa! Tu penses bien que je donnerai tout cet argent à toi et à maman? Maman! Ouais! Nous y voilà! Il y en a marre! C'est un piège pour tout le temps! Tu crois que c'est encore un piège? Mon père croit que tu vas te laisser acheter! Mais maman, qu'est-ce qu'il y a? Va enlever ton manteau. Mais maintenant, on va voir qui a raison. Lui ou moi? Voilà ma réponse. Je l'attendais. Maintenant, plus le mensonge. S'il n'y avait plus rien entre Verle et toi, à l'époque où tu t'es éprise de moi, comme tu dis, chat, pourquoi nous a-t-il donné les moyens de nous marier? Il pensait qu'il aurait ses entrées ici, dans la maison. C'est tout. N'a-t-il pas peur d'une certaine éventualité? Je comprends pas ce que tu veux dire. Je veux savoir si ton enfant a le droit de vivre sous mon toit. Mais c'est toi qui me demandes ça! Je vais répondre à cette seule question. Edwig, est-elle de moi ou bien? Dis-le. Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Comment savoir? Une femme comme moi! Alors, je croyais la faire à cette maison. Réfléchir! Plus rien à réfléchir ici pour un homme comme moi. Si! Il y a beaucoup à réfléchir ici. Il faut que vous restiez ensemble tous les trois si tu veux parvenir à l'esprit de sacrifice propice au véritable pardon. Mais je ne veux pas! Je ne veux pas ça! Jamais! Jamais! Mon foyer s'est écroulé autour de moi! Grégoire! Je n'ai pas d'enfant! Qu'est-ce que tu dis? Voyons! Papa! Papa! Attends! Je ne peux pas te voir! Ses yeux! Adieu! Papa, non, ne quitte pas! Regarde l'enfant, Yalma! Regarde l'enfant! Je ne veux pas! Je ne peux pas! Je dois partir! Mais tout ça! Il nous quitte, maman! Il nous quitte! Il ne reviendra plus jamais! Ne pleure pas, Edwig! Papa va sûrement revenir! Non! Non, il ne reviendra plus jamais chez nous! Croyez-moi! Je voulais faire pour le mieux, madame Ekdal! Ouais! On croirait presque! Mais que Dieu vous pardonne tout de même! Oh, je crois que ça va me tuer! Mais qu'est-ce que je lui ai fait? Maman! Maman, il faut que tu le ramènes à la maison! Oui, oui, oui! Calme-toi! Je vais sortir le chercher! Et tu vas pas rester là à pleurer comme ça, hein, tu le promets? Oui. Oui, je vais m'arrêter. Prouve que papa revienne. Ne vaudrait-il pas mieux le laisser d'abord mener son douloureux combat jusqu'au bout? Oh, il pourra toujours le faire après. Avant tout, il faut calmer cet enfant. Maintenant, vous allez me dire ce qui se passe. Pourquoi papa ne veut plus de moi?
C'est une question que vous pourrez poser quand vous serez grande et adulte. Mais je peux tout de même pas rester dans cet affreux chagrin jusqu'à ce que je sois grande et adulte. Je comprends ce qu'il y a. Peut-être que je ne suis pas l'enfant de papa. Comment serait-ce possible? Maman m'a peut-être trouvée, et papa vient peut-être de l'apprendre. J'ai déjà lu des histoires comme ça. Eh bien, et si c'était le cas? Eh bien, je trouve qu'il pourrait m'aimer tout autant. Davantage encore. Le canard sauvage aussi, nous l'avons reçu en cadeau, et pourtant je l'aime si fort. Le canard sauvage? Oui, parlons un peu du canard sauvage, Hedwig. Pauvre canard sauvage. Lui non plus, papa ne supporte plus de le voir. Dire qu'il a voulu lui tordre le cou. Oh, mais il ne le fera sûrement pas. Non, mais il l'a dit. Et je trouve que ça n'était pas bien de le dire, parce que tous les soirs, je fais ma prière pour le canard sauvage, et je prie pour qu'il soit préservé de la mort et de tout mal. Vous avez l'habitude de prier le soir? Oui. Et qui vous a donné cette habitude? Moi-même. Parce qu'une fois, papa était très malade et il disait qu'il était entre les mains de la mort. Et alors? Alors j'ai prié pour lui quand je me suis couchée et après j'ai continué. Et maintenant vous priez aussi pour le canard sauvage? J'ai trouvé que c'était bien d'ajouter le canard sauvage parce qu'il était si malade au début. Vous priez peut-être aussi le matin? Non, pas le matin, c'est vrai. Et pourquoi pas le matin? Le matin, il fait clair. Alors il n'y a plus de raison d'avoir peur. Et ce canard sauvage que vous aimez tant, votre père voulait lui tordre le cou? Non, il a dit que le mieux pour lui serait de le faire, mais qu'il l'épargnerait à cause de moi. Et c'était gentil de sa part. Et si maintenant, de votre plein gré, vous alliez le lui sacrifier? Le canard sauvage? Si maintenant, pour votre père, vous alliez sacrifier ce que vous avez de plus cher au monde. Croyez-vous que ça servirait à quelque chose? Essayez, Hedwig. Oui, j'essaierai. Et vous en aurez la force, vous pensez? Je demanderai à grand-père de tuer le canard sauvage pour moi. C'est ça. Mais pas un mot à votre mère là-dessus. Pourquoi? Elle ne nous comprend pas. Le canard sauvage. J'essaierai demain matin. Tu l'as trouvé, maman? Non, mais je sais qu'il est passé chez Relling et qu'il l'a emmené. Vous en êtes sûre? Oui, la gardienne me l'a dit. Et Molvik les accompagnait, elle a dit. Alors que son âme a si fort besoin de solitude pour engager le combat. Bah, les hommes, c'est compliqué. Dieu sait où Relling a pu l'entraîner. J'ai couru jusque chez Madame Eriksen, mais il n'y était pas. Oh! Et s'il ne revenait plus jamais? Il reviendra. J'irai le chercher demain. Et vous verrez comme il reviendra. Vous pouvez dormir en paix. Et tu... Bonne nuit. Maman? Maman? Eh oui. Relling avait raison. Voilà ce qui arrive quand des fous viennent vous présenter leurs créances tordues.
Alors, oui, maman, je crois qu'il est en bas chez Reling. Tu vois, la gardienne a dit qu'elle avait entendu Reling rentrer avec deux autres personnes cette nuit. C'est bien ce que je pensais. Oui, mais ça ne sert à rien. S'il ne veut pas monter chez nous. En tout cas, je vais descendre et lui parler. Dis donc, Alma, eh ben, on n'est pas là. Non, il doit être sorti. Si tôt? Et par cette furieuse tempête de neige. Bon, tant pis. Si je vais faire mon petit tour matinal tout seul. Imagine, maman. Pauvre grand-père, quand il apprendra que papa veut nous quitter. Mais il faut pas qu'il l'apprenne. C'est une sacrée chance qu'il ait pas été hier à la maison pendant tout ce tohu-bohu. Oui, mais... Il... Alors, vous avez de ses nouvelles? Il est chez Reling, paraît-il. Chez Reling? Il est réellement sorti avec ces gens-là? On dirait bien. Lui qui avait tant besoin d'être seul et de se ressaisir pour de bon. Ça, vous pouvez le dire. Papa est chez vous? Bah bien sûr qu'il est chez moi. Et vous me dites rien? Bah oui, je suis une bête. Mais d'abord, j'avais cette autre bête à dompter. Oui, lui, Molvik le démoniaque, bien entendu. Et après, je me suis endormi comme une masse, si bien que... Que dit Hjalmar ce matin? Ah, rien du tout. Il ne parle pas? Ne souffle pas un mot. Non, non, ça, je peux comprendre. Mais qu'est-ce qu'il fait, alors? Il est vautré sur le canapé et il ronfle. Ah oui, il est fort, Hjalmar, pour ronfler. Il dort? Il arrive à dormir? Bah, ma foi, ça m'en a tout l'air. Compréhensible. Après le combat déchirant que son âme a mené. Ouais, et lui qui n'a pas l'habitude de traîner dehors la nuit. C'est peut-être bien de le laisser dormir un peu, maman. Je pense aussi. C'est pas la peine de le secouer trop tôt. Merci à vous, Ling. Là, il faut d'abord que je rende la maison un peu propre et jolie, et puis... Viens m'aider, Hedwig. Vous pouvez m'expliquer le mouvement spirituel qui s'opère en Hjalmar Ekdal? À ma foi, j'ai pas remarqué qu'un mouvement spirituel s'opère en lui. Quoi? À ce tournant crucial, alors que sa vie tout entière repose sur une base nouvelle, comment pouvez-vous croire qu'une personnalité comme Hjalmar... Une personnalité? Lui. Si jamais a germé en lui cette sorte d'anomalie que vous appelez personnalité, alors les racines et les fibres en ont été profondément extirpées dès son enfance. Je peux vous l'assurer. Oh, mais ce serait quand même singulier, étant donné l'éducation si affectueuse qu'il a reçue. Celle de ces deux vieilles filles de tante hystériques et détraquées, vous voulez dire? Je vais vous dire. Ce sont des femmes qui n'ont jamais jeté l'exigence de l'idéal aux oubliettes. Mais bon, vous allez encore vous moquer de moi. Oh non, d'ailleurs je suis pas d'humeur. Je suis au courant, il a suffisamment éructé sa rhétorique sur ses deux mères spirituelles, mais je crois pas qu'il leur doive grand-chose. Le malheur d'Ekdal, c'est d'avoir toujours été, dans son entourage, tenu pour une lumière. Et il ne l'est pas, au fond de son âme, je veux dire? J'ai jamais remarqué. Que son père l'ait cru passe encore, le vieux lieutenant a été un imbécile toute sa vie. Il a été toute sa vie un homme avec une âme d'enfant. C'est cela que vous ne comprenez pas. Ouais, bien sûr, mais lorsque ce gentil petit Hjalmar est devenu étudiant, on ne sait comment, il est tout de suite passé pour la grande lumière de l'avenir parmi ses camarades aussi. Ah bah c'est qu'il était beau, n'est-ce pas? Attirant. Rose et blanc, comme les petites jeunes filles aiment les garçons. Et comme il avait l'émotion facile et cette voix qui vous va droit au cœur et du talent pour réciter joliment les vers des autres et les pensées des autres... C'est de Hjalmar Ekdal que vous parlez? Oui, avec votre permission, car telle est au-dedans cette idole devant laquelle vous vous prosternez. Je ne pensais pas être aveugle à ce point. Aussi, ou peu s'en faut. Parce que vous êtes un homme malade, vous aussi, voyez-vous. En ça, vous avez raison. Eh oui. Et ce dont vous souffrez est compliqué. D'abord, il y a cette fâcheuse fièvre de transparence. Et puis, pire encore, vous divaguez constamment en proie à votre délire d'adoration. Constamment, vous avez besoin d'admirer quelque chose en dehors de vous. Absolument. C'est en dehors de moi qu'il faut que je cherche. Mais vous vous trompez drôlement.
sur ces merveilles de grosses mouches que vous croyez voir et entendre autour de vous. Vous voilà de nouveau entré dans le taudis de pauvres gens avec votre dette envers l'idéal. Il n'y a personne de solvable dans cette maison. Si vous n'avez pas une opinion plus élevée de Hjalmar Ekdal, quelle joie pouvez-vous trouver à le fréquenter si souvent ? Mon Dieu, j'ai honte de le dire, mais je suis censé être médecin. Il faut bien que je m'occupe un peu des pauvres malades dans la maison que j'habite. Ah, tiens, Hjalmar Ekdal aussi est malade. Les gens sont presque tous malades, malheureusement. Et quel traitement appliquez-vous à Hjalmar ? Mon traitement habituel, je m'arrange pour entretenir en lui le mensonge vital. Le mensonge vital ? J'ai sans doute mal entendu. Non, j'ai bien dit le mensonge vital. Parce que le mensonge vital, c'est le principe stimulant, voyez-vous. Et puis-je vous demander quel est ce mensonge vital que vous avez inoculé à Hjalmar ? Pas question, je ne délivre pas de tels secrets à des charlatans. Vous seriez capable de me le gâcher encore plus. Mais la méthode est éprouvée, hein, je l'ai appliquée à Molvik également. Lui, je l'ai rendu démoniaque. Voilà le fer brûlant que j'ai posé sur son cou. Il n'est donc pas démoniaque ? Mais que diable veut dire être démoniaque ? C'est juste une ineptie que j'ai trouvée pour lui sauver la vie. Si je ne l'avais pas fait, ce pauvre bougre aurait succombé au désespoir et au mépris de lui-même depuis bien des années. Et le vieux lieutenant, donc. Mais lui, en vérité, a su trouver le traitement tout seul. Le lieutenant Ekdal ? Comment ça ? Ben oui. Que dites-vous de ce chasseur d'ours qui se balade dans cet obscur grenier pour traquer le lapin ? C'est le plus heureux des chasseurs, lui, pauvre vieux, quand il peut s'éclater là-dedans, au milieu de tout ce fatras. Les 4 ou 5 cartes de Noël desséchées qu'il a gardées, c'est pour lui la vaste et fraîche forêt de Hoydal, tout entière. Le coq et les poules, ce sont de grands oiseaux perchés à la cime des sapins. Et les lapins qui vont clopin-clopant sur le plancher, ce sont les ours auxquels il s'affronte, lui, le fringant vieillard habitué au grand air. Le malheureux, le vieux lieutenant Ekdal. Il a certainement dû en rabattre de ses idéaux de jeunesse. Tant que j'y pense, monsieur Verle Junior, n'employez plus ce mot étranger, idéal. Nous avons ce bon vieux mot de chez nous, mensonge. Docteur Relling, je ne lâcherai pas avant d'avoir sauvé Hjalmar de vos griffes. Ce serait la pire des choses qui puissent lui arriver. Ôtez le mensonge vital à un homme ordinaire. Vous lui ôtez le bonheur du même coup. Allez, petite maman canard, je vais descendre voir si ton papa est encore à cogiter sur sa remarquable invention. Je vois à votre visage qu'il n'y a encore rien de fait. Quoi ? Oh, pour le canard sauvage, non. La force vous a manqué au moment de passer à l'acte, je suppose ? Non, c'est pas ça. Mais quand je me suis réveillée ce matin tôt et que j'ai pensé à ce que nous avions dit, ça m'a paru si étrange. Étrange ? Oui, je sais pas. Hier soir, sur le moment, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de beau là-dedans. Mais après avoir dormi et en y repensant, j'ai pas trouvé ça si important. À l'évidence, vous n'avez pas grandi sous ce toit sans que quelque chose ne s'abîme en vous. Oh, ça m'est bien égal. Si seulement papa pouvait remonter à... Si seulement vous aviez les yeux ouverts sur ce qui donne valeur à la vie. Si seulement vous possédiez un véritable esprit de sacrifice, joyeux et volontaire. Vous verriez comme il reviendrait vers vous. Mais je crois encore en vous, moi. Hedwig. C'est pas drôle, tu sais, faire sa promenade matinale tout seul. Tu n'avais pas envie d'aller chasser, grand-père ? Pas un temps pour la chasse aujourd'hui. À peine si on voit devant soi. Et tu n'as jamais envie de tirer sur autre chose que sur des lapins ? Les lapins, c'est pas assez bien, peut-être. Si, mais le canard sauvage. Oh, tu as peur que je tue ton canard sauvage ? Jamais de la vie, jamais. Tu ne le pourrais sûrement pas. Il paraît que c'est très difficile à tirer, les canards sauvages. Je ne pourrais pas. Je
pense bien que je pourrais. Et comment tu t'y prendrais alors, grand-père? Je veux dire, pas avec mon canard sauvage, mais avec d'autres. Ben, faudrait voir. À le tirer sous la gorge, comprends-tu? C'est le plus sûr. Et puis, faut tirer à rebours des plumes, vois-tu? Pas dans le sens des plumes. Et alors il meurt? Sûr qu'il meurt. Si on vise juste. Bon, allez, faut que je rentre me faire beau. Tu comprends? Dans les affaires de papa, Hedwig. Je voulais juste ranger un peu. Va plutôt à la cuisine, voir si le café est encore chaud. J'emporterai le plateau quand je descendrai le voir. Ça alors? Tu reviens quand même, Hjalmar? Je reviens pour disparaître aussitôt. Mais oui, j'imagine bien, mais... Mon Dieu, de quoi tu as l'air? De quoi j'ai l'air? Maman, tu veux pas que je... Oh, papa! Papa, tu... Attends, 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 attends! Éloigne-la de moi, je te dis! Va à côté, Hedwig. Faut que j'emporte mes livres. Où sont mes livres? Quels livres? Les ouvrages scientifiques, la revue technique dont je me sers pour mon invention, bien entendu. Ceux qui ne sont pas ouverts? C'est ça, ouais. Veux-tu que je demande à Hedwig de te les ouvrir? Non, pas besoin, non? Alors c'est... C'est décidé. Tu nous quittes, Hjalmar. Mais ça va être ça, il me semble. Oui, oui. Je peux pas rester là me faire transpercer le cœur à toute heure du jour, non? Dieu te pardonne de penser tant de mal de moi. Des preuves. Il me semble que c'est à toi d'en donner. Avec un passé comme le tien, il y a certaines dettes, je serais tenté de les appeler, dettes envers l'idéal. Et grand-père, alors? Qu'est-ce qu'il va devenir, le pauvre? Je connais mon devoir. Il partira avec moi. Je vais aller en ville prendre des dispositions. Hein. Et personne n'aurait trouvé mon bonnet dans l'escalier. Non, tu as perdu ton bonnet? Je l'avais cette nuit quand je suis rentré, ça n'a aucun doute là-dessus. Et ce matin, impossible de le trouver. Mon Dieu, mais où es-tu allé avec ces deux débauchés? Non, mais épargne-moi de questions stériles! Toi, je suis d'humeur à me souvenir de détails! Pourvu que tu n'aies pas attrapé froid, Hjalmar. T'es une ordure, Réline! T'es un escroc, c'est ça que t'es! Un salopard! Si seulement j'avais quelqu'un sous la main pour t'assassiner! Tiens, un peu de café chaud si t'en as envie. Et des tartines beurrées et un peu de lard fumé. Du lard fumé? Sous ce toit? Jamais. Ça va faire 24 heures que j'ai rien avalé de solide, mais tant pis. Mes notes, le début de mes mémoires. Où est mon journal? Où sont mes papiers? Elle est encore là? Mais oui, grand Dieu, il faut bien que cet enfant soit quelque part. Ça! Pour les derniers instants que je passe dans mon ancien foyer, je souhaiterais qu'on m'épargne la présence d'intrus. Il parle de moi? Reste dans la cuisine, Hedwig, ou non, va plutôt dans ta chambre. Attends un peu, Hjalmar. Ne dérange pas tout, je sais où sont les choses, moi. Le canard sauvage. Cette valise ne suffira pas, j'ai un millier de choses à t'emballer. Laisse tout le reste en attendant et ne prends qu'une chemise et un caleçon. Ce préparatif, ça m'épuise. Oh. Et le café, il refroidit. Le pire pour toi, ça va être de trouver un grenier comme celui-là. Assez grand pour les lapins. Quoi? Il faut aussi que je travaille tous ces lapins? Oui, grand-père ne peut pas se passer de ces lapins, que je sache. Il faudrait bien qu'il s'y habitue. Moi, je dois renoncer à des plaisirs autrement plus importants que les lapins.
prends ton piano aussi? Non, non, pas de piano. Mais donne-moi le pistolet. Tu veux emporter le pistolet? Ouais, j'ai emporté mon pistolet chargé. Il n'est pas là. Grand-père a dû le prendre. Il est au grenier? Bien sûr qu'il est au grenier. Pauvre vieillard solitaire. Si nous n'avions pas loué la chambre, tu aurais pu t'y installer. Habiter sous le même toit que eux. Jamais. Jamais. Tu pourrais, pour un jour ou deux, t'installer dans le bureau, non? Là, tu aurais tout et tu serais seul. Entre ces murs? Jamais. Bon, mais en bas, chez Relling et Molvik. Bah, ne prononce pas le nom de ces gens! Ça me coupe l'appétit rien que de penser à eux. Non, j'ai plus qu'à sortir dans la tempête et la neige et je vais aller de maison en maison et chercher un abri pour mon père et pour moi. Mais t'as pas de bonnet, Yalma. T'as perdu ton bonnet. C'est ça, dur, cette vis-là. Bon, faut que je me trouve un bonnet, j'ai pas l'intention d'y laisser ma peau quand même. Hein. Qu'est-ce que tu cherches? Le beurre! Le beurre arrive tout de suite. Non, c'est pas la peine. Je peux parfaitement manger mon pain sec. Tiens, il est tout frais. Bon, pourrais-je, mais sans être importuné par personne, hein, par qui que ce soit, loger ici dans le bureau un jour ou deux. Tu pourrais très bien si tu voulais. Parce que je ne vois pas comment je pourrais déménager toutes les affaires de mon père en si peu de temps. Puis surtout, il faudra bien d'abord lui dire que tu ne veux plus vivre avec nous. Ah ouais, ça aussi. Ouais. Devoir revenir encore sur cette histoire inextricable. J'ai besoin de temps, faut que je réfléchisse. Je ne peux pas me charger de tous ces fardeaux en un seul jour. Non. Et surtout par ce temps pourri qu'il fait dehors. Que ce papier traîne encore là? Je n'y ai pas touché. Et moi, ce bout de papier ne me concerne pas. Hein. Et moi, je ne pense pas m'en servir. C'est pas la peine qu'il aille se perdre dans le chaos du déménagement, malgré tout. J'en prendrai soin, Yalma. Cet acte de donation appartient à mon père avant tout, c'est son affaire s'il veut s'en servir. Oui, mon pauvre vieux papa. Bon, pour plus de sûreté, où y a-t-il de la colle? Loin de moi, l'idée de faire main basse sur la propriété d'autrui. Et encore moins sur celle d'un vieillard sans ressources, hein, ni non plus sur celle de l'autre, là. Voilà. Et enlève-moi ça, je ne veux plus avoir ce document sous les yeux. Jamais. Quoi? Tu es là, Yalma? J'étais lessivé de fatigue. Tu ris ton petit déjeuner, à ce que je vois. Le corps aussi fait parfois valoir ses exigences. Alors, qu'as-tu décidé? Pour un homme comme moi, il n'y a qu'une seule issue. Je suis en train de rassembler mes affaires les plus précieuses, mais ça prend du temps, vois-tu. Faut-il que je prépare le bureau ou faut-il faire ta valise? Fais la valise. Et prépare le bureau. Oui, oui, je mets la chemise Everest alors. Jamais je n'aurais pensé que ça finirait comme ça. Est-il vraiment nécessaire que tu quittes la maison? Ton foyer? Que veux-tu que je fasse? Je ne suis pas fait pour être malheureux, regarde ça. J'ai besoin de bien-être, de confiance et de calme autour de moi. Est-ce que tu ne peux pas retrouver tout cela? Essaie seulement. Il me semble que tu disposes maintenant d'une base solide pour construire et tout recommencer. Et rappelle-toi que tu as aussi ton invention comme raison de vivre. Non, ne me parle pas de mon invention. Elle n'est peut-être encore qu'une perspective lointaine. Ah bon? Mais oui, mais grand Dieu, mais au fond, que veux-tu que j'invente? Les autres ont déjà presque tout inventé. C'est chaque jour plus difficile. Et toi qui as consacré tant de travail à cela? Mais c'est ce dépravé de Relling qui m'en a donné l'idée. Relling? Mais oui, c'est lui qui le premier m'a fait remarquer mes dispositions, m'a inventé quelque chose d'extraordinaire dans le domaine de la photographie. Ah, c'est Relling,
Mais ça m'a rendu profondément heureux, non pas l'invention en soi, mais le fait que J.K. croyait, et toute la force et la puissance de son âme d'enfant, enfin, c'est-à-dire. Moi, l'insensé, je suis imaginé qu'elle y croyait. Peux-tu réellement croire que Hedwig aurait fait semblant devant toi? Maintenant, je suis capable de penser n'importe quoi. C'est Hedwig qui me barre la route. Elle va priver de soleil ma vie tout entière. Hedwig? C'est d'elle que tu parles, mais comment pourrait-elle t'en priver? Indicible! Indicible l'amour que j'ai eu pour cet enfant. Indicible le bonheur que j'éprouvais chaque fois que je rentrais dans ma pauvre maison qu'elle volait à ma rencontre en clignant de ses doux yeux. Quel naïf insensé je suis! Je l'ai aimé d'un amour indicible. Puis je me suis fait un rêve poétique de l'illusion qu'elle m'aimait, d'un amour indicible aussi. Tu dis que ce n'était qu'une illusion? Mais comment le savoir? Gina? Impossible d'en dire quoi que ce soit. Et puis, elle est incapable de saisir l'idéal en jeu dans ses complications. Mais à toi, je ressens le besoin de m'ouvrir, Gregers. Il y a ce doute terrible peut-être qu'Edgig ne m'a jamais vraiment aimé. Il se pourrait bien qu'une preuve t'en soit donnée. Mais qu'est-ce que c'est? On dirait que le canard sauvage crie. Mais le canard sauvage, c'est Gozzi, mon père est au grenier. Il y est. Je te dis que tu pourrais bien avoir la preuve que la pauvre Hedwig incomprise t'aime. Mais quelle preuve peut-elle me donner? Je ne peux avoir aucune assurance de ce côté-là. Hedwig est incapable de feindre. Mais justement, Gregers, j'en suis pas si sûr. Qui sait ce que Gina, cette Madame Sorby, autant de fois a pu manigancer à voix basse? Hedwig a l'habitude d'ouvrir grand les oreilles. Peut-être même la donation n'avait rien d'inattendu pour elle. Il me semble avoir perçu quelque chose de ce genre. Mais ton âme est possédée. Mais mes yeux se sont ouverts. Mais fais attention. Mais tu vas voir, cet acte de donation n'est qu'un début. Madame Sorby a toujours été très attachée à Hedwig. Maintenant, ils peuvent me l'enlever comme on leur semblera. Mais jamais de la vie, Hedwig ne te quittera. Mais n'en sois pas si sûr! Mais s'ils lui font signe, les mains pleines! Moi, dont le plus grand bonheur aurait été de la prendre doucement par la main pour la guider comme on guide un enfant qui a peur du noir à travers une grande pièce vide. Maintenant, cette certitude me ronge. Le pauvre photographe n'a jamais compté pour elle. A seulement pris adroitement soin de rester en bon terme avec lui en attendant son heure. Tu ne crois pas toi-même à ce que tu dis, Almar? Mais ce qui est terrible, justement, c'est que je ne sais pas ce que je dois croire. Je ne le saurai jamais. Mais peux-tu réellement douter qu'il en soit comme je dis? Toi, tu comptes trop sur cette exigence de l'idéal, Gregers. Mais si les autres venaient, les mains pleines, et criaient à l'enfant, mais quitte-le! Viens chez nous! Viens, la vie t'attend! Oui? Et alors? Que crois-tu? Mais si je lui demandais, mais Hedwig, es-tu prête à donner ta vie pour moi? Mais merci bien. Mais tu entendrais la réponse qu'elle ferait. Yalma! Le voilà qui chasse maintenant. Oh, Yalma, je crois bien que grand-père est tout seul au grenier à faire du raffut. Oui, je vais aller voir. Attends un peu. Tu sais ce que c'était? Oui, je le sais. Mais... Non, tu ne le sais pas. Mais moi, je le sais. C'était la preuve. Quelle preuve? C'était un sacrifice d'enfant. Elle a persuadé ton père de tuer le canard sauvage. Tuer le canard sauvage? Non, quelle idée! Mais pourquoi? Elle voulait te sacrifier ce qu'elle possédait de plus précieux au monde. Parce qu'ainsi, tu pourrais te remettre à l'aimer, pensait-elle. Cet enfant? Oui, ce qu'elle peut inventer. Elle voulait simplement regagner ton amour, Yalma. Il lui semblait qu'elle ne pouvait pas vivre sans. Là, tu vois bien, Yalma. Gina, où est-elle? La pauvre, elle doit être dans la cuisine, je pense. Hedwig, Hedwig, viens près de moi. Non, elle n'y est pas. Alors, elle est dans sa chambre? Non, elle n'y est pas non plus. Elle a dû sortir? Ah oui, tu ne voulais d'elle nulle part dans la maison. Si elle pouvait rentrer tout de suite, je puisse lui dire. Maintenant, tout va s'arranger, Gregers. Parce que maintenant, je crois que nous pouvons recommencer la vie. Je le savais. C'est par l'enfant que la refondation se ferait. Papa, tu es là? C'est dans la chambre que grand-père a tiré? Alors, tu vas à la chasse tout seul, toi, Yama? Ce n'est pas toi qui as tiré dans le grenier? Tiré, moi. Elle a tué elle-même le canard sauvage, vois-tu? Qu'est-ce que c'est?
ça veut dire... Hedwig ! Qu'est-ce qu'il y a ? Elle est étendue par terre ! Étendue par terre ? Hedwig ? Hedwig ! Non ! Non ! Non ! Ah, elle va à la chasse, elle aussi ! Elle a été touchée, le coin a dû partir. Il faut appeler au secours, appeler au secours. Relling ! Docteur Relling ! Montez vite ! Vite ! La forêt se venge. Elle va s'en remettre, elle va s'en remettre. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Ils disent que Hedwig s'est tiré dessus. Viens ici, Relling. Tiré dessus ? Ça ne peut pas être grave, hein, Relling ? Elle ne saigne presque pas. Ça ne peut pas être grave. Comment ça s'est passé ? Je n'en sais rien. Elle voulait tuer le canard sauvage. Le canard sauvage ? De quoi as-tu partir ? Ouais. La forêt se venge. Pourtant, je n'ai pas peur, moi. Eh bien, Réline, pourquoi ne dis-tu rien ? La balle est entrée dans la poitrine. Mais elle va s'en remettre. Tu vois bien qu'Hedwig a cessé de vivre. Au fond des mers. Rien qu'un instant. Je suis juste le temps de lui dire que je l'ai aimé d'un amour indicible. Tu jures, je te supplierai. Le cœur a été touché, hémorragie interne, elle est morte sur le coup. Moi qui l'ai repoussée comme une bête. Et elle terrorisait, elle s'est blottie dans le grenier. Elle est morte par amour pour moi. Irréparable à jamais. Sors d'ici, à jamais! Et toi là-haut, si tu existes, pourquoi as-tu fait ça? Arrête, Yalmar! Nous n'avions sans doute pas le droit de la garder, faut croire. L'enfant n'est pas morte, elle dort. Foutaise! Elle est là, elle est si raide, elle est si calme. Elle le tient si ferme, si ferme. Non, non, Relling. Ne lui cassez pas les doigts. Laissez-lui le pistolet. Elle l'emportera avec elle. Oui. Laissez-lui. Mais l'enfant ne doit pas rester là en spectacle. On va la mettre dans sa chambre, chez elle. Aide-moi, Yalmar. Gina, comment peux-tu supporter ? Chacun va aider l'autre. Maintenant, elle est autant à l'un qu'à l'autre que je sache. Loué soit le Seigneur. Poussière, tu deviendras. Poussière, tu deviendras. Ferme-la, bonhomme, t'es sous. Jamais personne ne me fera gober qu'il s'agit d'un accident. Personne ne peut dire comment cette horreur est arrivée. La charge a brûlé le tissu. Elle a dû presser le pistolet contre sa poitrine et faire feu. Hedwig n'est pas morte en vain. Avez-vous vu comment la douleur a libéré ce qu'il y a de grandeur en lui ? La grandeur ?
La grandeur, mais la grandeur se voit chez la plupart des gens quand ils sont dans la douleur face à un cadavre. Mais combien de temps croyez-vous que cette splendeur va durer chez lui? Ne devrait-elle pas durer et croître pour la vie? Mais d'ici 9 mois, la petite Edwige ne sera pour lui rien d'autre qu'un joli thème de déclamation. Et vous osez dire cela de Hjalmar Ekdal? Nous en reparlerons. Lorsque la première herbe aura fané sur sa tombe, alors vous pourrez l'entendre éructer sur l'enfant, trop tôt arraché à son cœur paternel. Et vous le verrez se complaire dans l'émotion, l'admiration et la compassion de soi. Vous verrez. Si vous avez raison et moi tort, alors la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Oh, la vie pourrait avoir du bon, pourtant. Si seulement nous avions la paix avec cette meute de créanciers qui frappe à notre porte et viennent nous réclamer la dette envers l'idéal. En ce cas, je suis content de ma décision. Si je peux me permettre, quelle décision? D'être le 13e à table. Le diable, si je vous crois...